D'accord. Ah, j'ai des yeux gras. Je te vois. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, ça y est, on y est. Excusez-moi, petit retard ce soir parce que j'avais un petit problème de connexion avec Free qui m'a lâché. Donc voilà, merci Free, merci beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. Mais bon, voilà. Bon, on y est. Bon, allez, redressement de la police. On va essayer de les envoyer pour avec plus du RP. On va essayer de faire un truc comme ça. Enfin, bref, on va voir ça. Merci à tous d'être présents. Merci aux followers de cet après-midi. Bientôt 400 followers. On est à 11 follow du 400e. Merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour Shotgun. Bonjour Omega. Bienvenue à tous. Merci aux follow. Merci aux abonnements. Merci aux donateurs. Bon, allez, place au live tout de suite. Allez, bonne chance à tous. Enfin, bon live à tous. Bonne chance. Hop. Je vais juste faire un truc encore. Voilà. Obligé. Allez, c'est parti. Sierra de Dédé. Vous venez me récupérer, s'il vous plaît. Bon, qu'est-ce qui se passe au méga pour qu'on ne voit plus? Salut Antico, comment ça va? Je crois qu'on n'entend pas les joueurs. Ah oui, pardon. Hop là, non, c'est bon. Normalement, c'est bon. Tu dois tout entendre. C'est la pire qui vient de nous passer à côté. Elle part. Respire mon adjudant. Direct son cavale. Mais un blanc. Ah, si, il me semble que c'était elle. Ouais, bah si, vous faites. Ah, c'est moi, il arrive. Cooper pour venir. Je les reçois. Ah, ils étaient trop loin. Du coup, c'est sûrement ça. Ok. Respect. Bonjour, DD préféré. Salut. Transmis. Ça va pas. Quelqu'un a pris contact avec. Afi de Yankee, j'ai envoyé un message, je leur ai dit de passer à la BA pour la faire des menaces de mort. Mais j'étais en dessin force avec. Smooth, ça pousse, ça mousse. Ça pousse, la. J'ai envoyé un message en bien sûr. Bien sûr. Tu veux pas m'ouvrir la porte que je me casse, s'il te plaît? Or. Ouais, Jeff. Ouvre-moi la porte que je me casse. J'avais envoyé un message.
je peux pas, je peux pas. Ah, je pas, on a pas eu de réponse et je les vois en train de trifouiller des câbles. T'as cramé le chapeau. Assistant, vous avez envoyé. Bon, CPA, du coup, pour Sierra, on va vous laisser essayer de gérer ça. On repasse canal 4. Bien pris pour Sierra, passer canal 6. Pepper, c'est interpellé. Attends. Je rééquipe mon VL et. Sierra, c'est normal que. Alors là, faut m'expliquer un truc. 1, 2, 3. Pourquoi lui il a un masque de bandit? Parce qu'il en avait eu un. Ok. Les... Ouais. Et... Vas-y, enfonce-toi, vas-y. Enfonce-toi, vas-y. What the fuck, qu'est-ce qu'il fout? Bah attendez, faut que j'aille voir le, les civils. Non, il est là. Bon, bah, je fais une grosse fesse. Qu'est-ce que tu fais avec un masque de bandit, toi? Technique. Technique. Nick, Nick. Nick, Nick. Nick, Nick. Ok. Bon bah. J'ai pas mes yeux, je vais essayer de les manger, je vais essayer de les ramener. Mais y'a pas d'arrangement. Bah écoutez monsieur, vous me dire que moi je vais vous dire simplement. Si jamais il me montre la preuve que vous avez bien fait des menaces de mort, sachez que ça va mal se passer pour vous. Y'a aucun souci, je répondrai de mes actes si les actes ont été faits. Par contre, si monsieur, il n'y a pas, les actes ne sont pas là, je porte. Oh oh oh, on peut pas le déposer plein tranquille ici, c'est un truc de dingue quand même. Taxi! Kabbalah, s'il vous plaît. Putain, il fait noir. Ils ont encore plus coupé les lampes là. Putain, faut brancher les fils là. C'est Malik là, il était volé les fils de cuivre. Vous savez à quelle heure le bus y passe? Vous savez à quelle heure le bus y passe? Pas de panneau là? Il y a, pas, y a pas de bus qui passe devant la BM, tu vois. Pas de bus qui passe devant la BM? Non, non, non. Ah, les policiers ils me disent qu'il y a des bus qui passent. Ah bon? Bon, quoi. Ah, sérieux? Ils ont menti. J'ai l'impression. Parce que. Normal? Déjà il m'arrête, bon. Je sais pas pourquoi et... Il est à la prison. La prison? On va aller à la prison. Eh monsieur... Mais... Bonne journée monsieur. Messieurs les polices. Messieurs les polices. Je voulais savoir à quelle heure passe le bus. Salut. La plainte? Malheureusement je ne vais pas ouvrir une plainte si jamais il ne peut pas avoir lieu. Non parce que là il y a quand même... Ils arrêtent. Oui, parce qu'avec son camion, il a fait une embardée exprès. Et après, ouais, monsieur vient se... Ouais. Donc, exprès, vu ta gueule, tu m'étonnes qu'il a fait exprès. Par contre, ah, là, vos collègues, ça va se calmer aussi. Hein. Mais monsieur, faut descendre, parce que là, monsieur. Je vais porter plainte. Hein. faut lui acheter une moto, quoi. C'est là. Salut, comment tu vas Narilos? J'adore, foutre la merde. Je kiffe.
Non, bah madame, c'est moi qui suis là. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il veut lui là? Je ne sais pas ce qu'il veut. ODD. Je ne sais pas ce qu'il veut. C'est quoi ici? C'est garderie, c'est quoi ici? C'est ça. Oh, qu'est-ce que tu viens toi avec une tenue militaire là? Tu fais quoi dans la vie? C'est une tenue de chasse mon gars. Une tenue de chasse toi? Une tenue de chasse avec des rangers comme ça là? Ouais ouais. Tu la vois celle-là ou pas? Oui, exactement, je t'agresse, ouais. Non mais attends, tu viens dans un commissariat de police, habillé comme... Ben porte plainte, vas-y, porte plainte. Alors, ce n'est pas lui, c'est celui en McLaren P1. Bon, moi j'aimerais bien déposer plainte contre ce monsieur. P1, ça fait 20 minutes que je suis là et en plus il me passe devant le nez, là. Non, il connaît, c'est une honte. Un rebelle qui vient dans les commissariats, là, c'est terrible. Les gars, c'est une sommation et tout ça. Si vous continuez à faire les shows avec nous, on va vous tirer dessus. Enfin, on va vous buter. Qui c'est qui a dit ça? Un mec en McLaren P1. Donc, moi, je n'ai rien à voir avec ce monsieur, je le connais pas. Alors, comme par hasard, comme par hasard, il connaît rien. C'est qui le monsieur là derrière là? Pourquoi il parle? Mais, s'il veut parler, comment ça? Dans le bureau? Bah, ouais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Je me permets. Voilà, c'est. Moi, ce que j'ai juste contre toi, c'est que, comme quoi, vous faites des excès de vitesse. Et me dites pas non, on en a pas fait. Me dites pas, on était à 150. Déjà, quand t'es à 150, c'est un excès de vitesse. Moi, j'ai rien dit, c'est les autres 5 qui ont parlé. En Merco, vous étiez en Merco, le mec en P1, il avait une P1 et tout ça, il avait une arme et tout ça, il faisait le malin avec nous. Il commençait à faire des excès. Je le connais pas, de toute façon, donc c'est pas moi. Ouais, comme par hasard, il le connaît pas. Putain, j'ai même plus de pognon sur moi quoi, mais putain, mais comment ça se fait que j'ai jamais de pognon sur moi alors que j'ai 30 millions, hein les gars, merde, comment ça se fait ça, toujours perdre du pognon, moi. Encore devoir faire de la drogue encore, hein. putain. Pourquoi ça, c'est ça? Pourquoi c'est, ça me prend pas les M200 chargeurs hein? Ah si, c'est ma merde. Ouais, ça va tranquille. En tout cas, si j'ai pas cet individu là, moi je pensais que c'était... On nous avait dit que c'était la merde. Technique, déviré. La P1. Il arrivé là, vous nous dites qu'il y a que la P1, du coup ben, c'est un peu un problème. Déviré, technique. Vous les connaissez pas, bref, du coup, j'ai rencontré les gens au garage, mais alors, ils m'ont proposé, ouais, surtout pas dans la tienne, toi, t'es vraiment nul à chier, t'as des copains truands, t'es un putain trafiquant. Est-ce qu'à un seul moment, on a dit que vous l'aviez fait, et je vous ai simplement dit que vous avez dit qu'une voiture de tel nom, un machin, la personne vient de me confirmer que négatif, ils ont simplement dit la P1. Nous, okay. On a reçu dans le même message P1 menace de mort plus Merco grise. Du coup, on a intercepté la Merco grise vu que la P1 on l'avait pas sous les yeux. Ouais, bon, attends, ça on vous a pas arrêté. À ce que sache, monsieur Thomas, je vais pas citer vos droits. Vous êtes tout à fait négatif. Libre de prendre la porte et de repartir avec votre véhicule. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, hop. Trafiquant de drogue. Trafiquant. Espèce de trafiquant. Bonne journée, madame. C'est un rebelle. Mort au rebelle. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on va faire du DD? Qu'est-ce que c'est que ce mec encore hein? Parce que. Bon, un mec. C'est bon. Test pour les sirènes. Qu'est-ce qu'il fait, Nick là? Ça a bien pris. Ça a endormi ou quoi là? Cerveau. Non, mais depuis tout à l'heure, il a des problèmes de. Non, mais il est là. Yo, Adrien, comment ça? Ah, il s'est fait Daronhead. Il s'est fait quoi? Daronhead, c'est-à-dire qu'en gros, il y a. De Snid pour Jeff. Des retours sur Sierra, ouais. Genre, on a sécu si vite pour toi, la DA. Oh non, non, mais c'est bon, ça a été appelé, merci bien. Merci quand même. Ok, c'est reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs de la sécu? Il y a une lampe sur deux qui marche. Je sais pas.
Je sais pas. Ils sont où les autres Syrah là? Derrière nous. Attends, non, c'est pas Syrah ça. Je vois rien. J'aime pas la nuit. Ils sont derrière nous. Là qu'on est 3-3, y'a moyen de faire une nouvelle escouade, mais Nick il est pas là. Tac. Non, reculez pas! Arrêtez de reculer quand je vous. Pourquoi? Parce que je veux vous parler sans aider la radio, mais bon, si vous voulez. Vous êtes 3, on est 3, faut former une escouade. Ouais, le truc c'est que Nick il est AFK, non, c'est ça? Exactement. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas garder Nick avec toi si ça te dit, et je vais te filer un gars avec Dédé. Si c'est possible. Et t'es good? T'es qui le gars? T'es qui? Yol? T'es qui le gars? Et qui c'est que vous préférez? Ah, déjà pas toi? Ah bah, bon bah, Momo, vas-y. Ni toi non plus. Allez, amenez moi la BA. Y'a direction BA, et hop, on sort un VL et on est reparti. Pour des BMO. Bah oui, ils ont raison. C'est stylé. On va retrouver enfin peut-être du RP. Ouais, enfin. Grâce à qui? On dit merci qui? Sujet qui... Merde. Ouais, c'est ça. Je suis encore raté, merci Dédé. Voilà, exactement, comme non, d'habitude. Merci le colonel Dédé. Voilà, exactement. Bordel de cul de merde. Lucien? De quoi? Est-ce que tu sors le VL ou j'en sors un? Lucien? Si tu veux? Je pense à point, oui. Bah voilà. Bah alors, comme ça, on tue des otages? Attendez, je transfère aussi mon matériel. Tu veux tout apprendre du coup? Ah, fille. Alors, de toute façon, on tue des otages? Merci, gars. Hop, alors. De toute façon, on tue des otages? Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vois de quoi tu parles. Moi, je crois. J'ai identifié ta balle dans le corps d'un otage. C'est parce que j'ai eu travers le pare-brise, hein. Le copilote en fait. On va aller pour Syrah, on va pas partir vers Atiri, il y a déjà les glams, mais on va se diriger vers Legendary Collection et Neo Shuri. Enfin, ouais, moi j'ai tué le pilote. J'ai tué le copilote? Non. C'est Johan qui l'a tué. Toi t'as tué le civil, t'as tué l'otage. Ouais, tu tires en même temps alors. Ouais. C'est grave. Faites gaffe aux travaux là, hein, dessus avec les câbles électriques. Ah, il se passe quoi, monsieur là? Eh, hey, monsieur? Didi? Bonjour, oui. Il se passe quoi là? Vous vous mettez au courant? Putain, c'est le bordel de la route. J'ai pas envie de te parler. Ils se mettent au courant. Je sais pas si c'est au courant sur ce qui s'est passé tout à l'heure. Non. Comme quoi ils ont un contrat maintenant, la secte. C'était bien joué. Quoi comme contrat? Tu sais, Didi, qu'est-ce qui s'est dit de beau dans les grandes lignes à la Réunion là? Bah, il y avait des points virgule, enfin voilà. D'accord, mais... Ah, pas mal de ponctuation aussi. Ah, il se passe quoi là? Pourquoi il y a de la police là? Pourquoi il y a de la police? Pourquoi y'a la police? Pourquoi y'a la police? Pourquoi y'a la police? Pourquoi y'a la police? Y'a plus le casino là? Allô? Y'a plus le casino? Allô? Je te parle? Y'a plus la police? Il répond pas ou c'est... Oui monsieur, il est fermé pour l'instant.
Pourquoi il est fermé? Excusez-moi monsieur. Pas de problème. Pourquoi il est fermé? 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 Pourquoi il est fermé le casino? Il y a un suspect monsieur, excusez-moi. Y a quoi, un super U, c'est ça? Non, un suspect avec un gilet pare-balles. Oh, c'est pas possible. Un suspect? Un suspect avec un gilet pare-balles? Oui. Non mais on... Mais bien sûr, mais on est vraiment plus en sécurité ici. Hein. En suspens. Ouais, c'est pas super critique qu'on a tous les gilets sur nous et tout. C'est ça. Oh, tout à bonne montée. Oui, donc pour revenir à ce que je disais, bah, ils ont utilisé leur fameux truc du ministre, comme quoi qu'ils autorisent à avoir des armes dans les véhicules, etc. Tout ça. Ah oui, dans les véhicules. Ouais. Qu'ils ont fait du coup? Ben roule. On patrouille comme d'hab, on cherche des bris. Mais on est d'accord qu'ils ont pas le droit de faire de la drogue. On est d'accord. Voilà, on est d'accord sur ça. Du coup, est-ce que j'ai compris Dédé, de ce que me disaient les gars là, falloir qu'on soit plus dans la dans la négociation que dans la répression, c'est ça? Exactement. Un vrai boulot de flic. Ouais, après y'a un autre truc qu'ils m'ont dit, j'ai pas trop compris, mais... Tu comprends jamais rien, de toute façon. Non mais une histoire de voiture qui s'arrête pas et qu'on doit attendre qu'elle s'arrête, je sais pas quoi. Hein? Réitérer Peut-être pas mettre ça. Ding dong. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Allô? Y'a quelqu'un? C'est parfait. Putain, mettez vos chapeaux de couleur, les gars. Mettez vos chapeaux de condor. Mettez vos chapeaux de couleur. Ah, bah, ok, j'ai pas de chapeau. Il est de couleur, le mien. J'ai bien mettre un chapeau, mais j'ai pas de chapeau. Vous êtes viré pour ceux qui ont pas de chapeau. Nice, j'ai un. Nous sommes le gang des Schtroumpfs. Faut que je remette le chapeau rose dégueu. Y'a un casquette qui a la bia. Je vais aller le récupérer en speed. Prends-nous des petits bérets de filles au passage. Allez, on va tous à l'auberge. Allez, on va tous chercher des. Génial. Le chapeau rouge, il est pour moi, ça fait grand schtroumpf. On met tous un peu. Là. C'est bien prendre grand schtroumpf. Je prends le vert, si on... Faut pas plus vite que tout le monde prenne un bleu, pour le coup. Alors, si on levait tous les schtroumpfs, on aurait tous des casquettes et des... Tu crois qu'ils ont peur? Tu crois qu'ils ont peur? Comme des débiles à 300, on aurait pu les faucher, je pense que oui. Ah, j'espère. Et ils ont plus de chances de mourir électrocutés que... poney par une caisse, mais bon. C'est ça. On va chercher des bérets. On va aller chercher, j'ai peur de tes goûts. Bah j'ai pris un de chaque couleur. Moi j'ai le rose.
Bah du coup j'ai plein de bérets sur moi. Bah c'est bien, t'as toutes tes collections. Ah il va bien comme ça le crème sur toi. C'est blanc celui-là. PDD. Yo. Ça va? Bah ouais. Bah ouais, on se casse. Oh putain, j'ai... Non, c'est moi. Tiens, j'en ai... Tu veux quelle couleur? Quelle couleur? T'as quoi comme couleur? Qu'est-ce qui a pas pris? J'ai magenta. Magenta, vas-y bon. Oh ouais. Ah ouais. Non, tu l'as. Ouais. J'ai ça. Ah non, c'est très bien le magenta. Bah allez, c'est bon. On est bon. Et du coup, faut que je pose tout mon stuff. Quoi, dans la bagnole? Ouais, dans la bagnole. Ouais, beret blanc. Bon, à limite, ça paye les Power Rangers à ce niveau avec les forces jaunes, forces rouges, forces. Identité, les gars, identité. Du coup, je monte avec quel VL, moi? À pied. Allez, monte là, mate le cul. Pas grand chose à faire ce soir, dis donc. Bah ouais, pareil. Pas de malfrat, on croit. C'est stabilisé. Prise assurément. Tant mieux. Ah, là, ça me fait percuter un truc. Hop, vite, on indique. Pareil, les indiques, c'est plus à la BA, je veux les voir. Vous leur donnez des rangs. C'est ce que j'ai transmis. Je sais pas si c'est important, j'ai une photo d'un mec, d'un employé de la Oil qui discute avec un personnel armé au sein de la Oil. Oh, dis donc. Oh ouais, c'est pas con ça. Ah bah si, on regarde. Bon les gars, vous savez ce qu'on va faire? On va aller farmer de l'huile. Du pétrole. Après. On peut faire ça. Vous avez tous vos faux papiers? Affi. Alors moi je suis Jean-Luc Rouge. Par rapport à la couleur du chapeau. Je suis Jean E. Je suis James Adams. Je suis Hans Black. Moi je suis Hans Copperfield. Moi je suis Pierre Jean. Non, alors soit on fait le lore, soit on fait du pétrole. Qu'est-ce qu'on préfère? De l'or ou du pétrole? Pétrole en soi, c'est faut du liquide, c'est juste. Pétrole, faut du liquide. Bah c'est du liquide, c'est chiant à mettre dans les voitures, ça va les tâcher. On va aller à la LCO, on va se faire embaucher par la LCO, on va aller à la mine d'or. On va aller voir ce que ça traficote un peu. Et on va voir si on va nous contrôler sur la route. Si vous voyez ce que je veux dire. T'as de la pioche ou pas? Non, on s'en fout. Ah, ils vont nous les donner, ils fournissent sur place. Hein. Mais on peut récolter, non? Bah, on peut tout faire. Je savais pas. Moi non plus. Tu veux la photo ou pas pour le coup? Ouais, tu me l'envoies dans le dossier. Hein. Bah, je peux en. Attends, je vais te la mettre sur ce clé. Attends, je crois que j'ai encore la clé USB de tout à l'heure. Je te la mettre dessus. Ma poche. Il y a ça, il y a aussi son power cardias. Tu sais qu'il faut qu'on il faut qu'on l'attrape encore une fois. Il travaille où lui? Il est DG de la Oil, si je me trompe pas, et vu que le casino n'est plus en place, c'est fort possible qu'il y soit là. Alors on va à la Oil. Vu qu'elle est fermée, je ne pense pas. Ah, elle est fermée la Oil? Il y a LCO et Oil qui sont fermés en fait. Toutes les entreprises sont fermées. Oh bah ben putain, mais tout est fermé là, comment ça se fait là? Ah merde, on avait mis au point un scénario pourtant. Putain! Ça va foutre un œil. Ils vont voir qu'on est 6, ils vont voir qu'on veut bosser, on va faire waouh.
Waouh, roi du pognon. Ouais, on va suspecter un peu le truc. On pourrait peut-être faire autre chose sinon, si je peux me permettre. Il y a le casino, il est encore d'actualité, non? Ouais, il est fermé le casino. Ouais, mais il faut encore des deals à moitié près du garage de l'aéroport, là, vu le monde qu'il y avait, non? Je sais pas, on ira voir. Mais pour le coup, il a pas été autorisé vu qu'il y a eu publication des salariés bah, du casino, justement. Un camion! Un camion! Mais qu'est-ce que vous faites là? Hein? On change la roue. On est en train de se toucher. Laisse-nous nous caresser tranquille dans mon camion. C'est pas légal ça ce que vous faites là? Ah, c'est vrai. Non, mais c'est pas possible ça, des gens comme ça. Vas-y, on se casse là. Hé, hey, arrête de nous suivre, toi! Ça, ça te va bien, Yoyo? Vas-y, toi! Quoi? J'ai dit que t'avais une sale gueule, casse-toi! Au niveau charisme, vous êtes charisme d'une moule! Une moule ou une bernique accrochée à son rocher, nul! Une moule ouverte ou une moule fermée? Je sais pas, elle est peut-être entre-ouverte, mais nul! Ah putain, t'as déjà les clés, toi? Ouais! Putain, ma gueule ou quoi? Oh, y'a du camion, y'a de l'or dedans! Oh, il est bien. Parfait. Putain, viens voir, il y a de l'or. Bon, allez, on a déjà un camion. Il y en a un qui va le prendre là, une patrouille de 3. De l'or, il y a de l'or. Vas-y, je le prends. C'est bon, j'ai le camion. Voilà, déjà, on a la marchandise de quoi on a travaillé. Oh, il y a encore le problème. Mais c'est pas un peu du vol ça? Non, c'est de l'emprunt à long terme. Ah, on va le prendre après? Parce que j'avoue que j'étais pas très sûr. Oh, on va... Oh... Au cas où, j'ai trouvé une pièce. A new follower. Salut d'apprendre, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi. Tu peux aussi nous rejoindre sur YouTube. Oh, sur Didi, Discord. Oh putain. C'est pas en tirant la voiture sur le bord du truc que ça va arranger les choses là. Attention, écartez-vous. Faut la pousser la voiture, essayez de la pousser en marchant rien avec le camion. Ne pas pousser trop fort pour pas qu'elle aille dans la flotte. Hop. Hop. Oh. Voilà. Hop, comme ça qu'on la porte. Putain, une voiture magique. On m'appelle Aladdin. Aladdin. Merci mon petit Aladdin. Bivolant, toi, merci à toi. Bienvenue dans la famille, bienvenue dans la communauté. C'est moi, on m'appelle l'OVNI. Je sais que t'as menacé. Attends, ils sont fermés les monsieur or là. Ils font pas d'efforts. Je vais en recours si vous voulez. M'a fait mourir. Comment? Parce que je vais voir s'il y a du monde, non, à l'entreprise. Ouais, ouais, va le voir, va voir. Ouais, va toquer au portail. Là. Nous, on est les frères Pindy. Et puis on s'est un petit peu touché dans le ventre de notre maman. Quelle horreur. C'est comme à la maison, hein. C'est pas gentil de se moquer, là. Alors, y'a du monde, là, ou il se tue aussi, là, parce que sans blague, pas que ça. Ouais, y'a personne. Bon, allez, direction DP11 avec le camion et les voitures. On va essayer de se faire braquer. Qui est dans ta voiture. Salut Dapin, comment ça va? Moi ça va très bien et toi? Ah c'est problématique. Attends, on va s'arrêter, je vais prendre avec le Dapin. Et Dapin ou Dapin? Didi, tu m'entends? Ouais, transmet. Tu veux qu'on aille où là? Là, on va prendre la route principale direction Kavala avec le camion. Ok. On va s'arrêter à la BA pour changer du nous. Ouais. Attends, 2 secondes, je reviens. Oui, Yannette, c'est quoi votre nom à... T'as qu'à regarder la carte? Putain, mais quel abruti! C'est John et Thierry, non, non. Du coup, on est parti vers DP11, c'est ça? Enfin. Je crois que c'est à peu près ça, oui. Vous avez bien envie.
Moi je suis James Adams, le forain. On s'en fout. D'accord. Bon, du coup, je prends un peu d'avance, hein, on va changer de nom. Le temps qu'on se fasse toute belle. Oh. Oh. Ah bah voilà, et bah ça commence. Et bah ça commence. Et bah voilà. Ah, ça n'est pas possible de stream ce soir, je pense. Où est-ce qu'il faudrait qu'on passe pour se faire braquer? Ah, c'est pas possible ce soir. Vous avez vu le message de Steve? J'ai surtout entendu une musique d'homosexuel juste derrière. Vous avez vu le message de Sneed? Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? Regardez votre téléphone. Regardez la Mercos, la Mercos. C'est quoi les gyros là? C'est moi qui vois. C'est la Mercos. Donc attends, pour Syrah, j'ai Kerry Winston qui va la France. C'est toi qui conduis, grand. Oui, c'est moi. Lui couper une couille, le secte l'a menacé, le casio leur demandera 10 millions par semaine, sinon il lui fumerait. Salut Jean Dupont, merci d'être venu, merci d'avoir follow la chaîne. Désolé pour les petits problèmes de stream de soir, mais Free me fait des cacades. Là, Free déconne sérieusement. Donc ça risque de laguer pas mal ce soir. Si je vois que ça lague vraiment beaucoup, je vais devoir couper le stream en fait. Avec qui? Avec Kerry Winton, celui d'où vient l'info que Sneed nous. Donc c'est quoi? Il a coupé les couilles à qui? Il s'est fait menacer de se faire couper les couilles si il informe pas le casino que la secte veut 10 millions. Donc la secte veut de l'argent. Faire du mal au civil. D'accord. What? La secte veut choper de l'argent. Ok, et ils ont un pacte avec le ministre. Y a pas un problème là? Ah mais moi depuis le début je l'ai dit Dédé, hein, écoute hein. Ouais, bah y'a plus de pacte. Moi, depuis le début, je le dis. Donc, le ministre il me dit t'inquiète pas, je gère. Bah écoute, il gère, apparemment. Mais après, faut lui transmettre. Faire en sorte de lui transmettre cette information pour voir. Parce que je suis sûr que le ministre il serait de moins en moins d'accord s'il savait qu'il se donnait à ce genre de plaisir. Bah, s'il y a un passager qui peut envoyer un message à Gaëtan, c'est cool. Bon, bah, je vais m'en occuper. Artyom, il va conduire. Putain, pourquoi ça déconne? N'hésite pas à y aller sur le message. Tu vois un truc drôle, Nick? Regarde, tu vois les gyros à l'arrière? A new follower. Salut Moussako, bienvenue à toi. Merci d'avoir follow la chaîne, mon petit ami. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour voir les reviews. Et je répète, désolé sur les problèmes de stream de ce soir, mais j'ai Frick qui me fait les cagades. Putain, on a une grue au milieu de l'air. Ça a pas été réglé ça? Non, putain, et là c'est encore pire ce soir. Ça me saoule. Bah après. Putain. En tout cas, là sur l'île, il y a pas mal de problèmes depuis quelques jours. Je sais pas ce qui se passe, mais ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou là. Il faudrait voir avec. Avec quel général là, qu'est-ce qui se passe, qui est pas ça. Y'a que moi qui est fracassé comme ça ou quoi? Ah ouais? D'accord, moi je me suis fait casser partout. Ouais. Je t'ai fait casser en devant la voiture. Je sais même pas pourquoi, sur quoi on a tapé en fait. Non, bouge pas. C'est quoi le numéro de l'OJA là? 32. Ça va à qui il appartient ce putain de camion? C'est le numéro personnel de Corsica. Ah merde, donne-moi le numéro personnel alors. 06 ouais. 62 64. Attends. 06 62 64 52 35. 62 64 52 35. Greg, continue d'avancer, on a eu un problème, ton camion il a fait un gros putout et ça a tapé. Allo? Allo? Eh? Allo? Ouais, mais attends, il y a des problèmes. Sans conducteur. Ah ouais, mais non, mais il y a des dés qui conduisent là. Ah merde. Non, vas-y, tiens. C'est le même problème que tout à l'heure. Vas-y. Ouais, c'est pas rien. Oh là là. Allo? Oh, oui. Allo? Oh, c'est bon. Amen. Allo? Oui?
Allô? Oui, Dédé? Non, mais je suis au téléphone, t'es con quoi, ça? Ah. Bah, le téléphone il marche pas, et les lignes téléphoniques elles sont pourries. Oh là 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 là, c'est quoi ces téléphones là? Ouais, mais ça fait un moment de temps, ils ont toujours pas réparé la sécu. Ah, bah, je crois que c'est Free qui a les lignes en plus. C'est vrai? Ah, ouais, c'est pour ça que ça passe pas. C'est vraiment des enculés. C'est quand même des enculés, Free. Hein. Je regarde pour voir si ça cacade pas. C'est le bordel, hein, mes amis. C'est le bordel. Hein. C'est le bordel avec Free. Hein. Désolé pour les qualités du live. Je suis désolé. Ce soir, c'est un peu la merde. Pour aussi peu de cieux quand même. Parti où avec le camion là? Ah, pas bête, ouais. Quoi? Pour un paquet du client comme ça, je pense. Oui. Je suis au niveau du bijoutier. Ouais. Bah, t'as entendu la com? Bah, reste-y et fais style d'interagir avec le panneau et avec ton camion. Vends pas, hein, vends rien. Attends, je peux rien vendre. Ça, tu veux, oui, mais tu peux pas donc. Tu fais style, ça, tu fais des alertes. Ouais, ouais, je fais style. C'est logis, hein. De yo-yo, j'ai cassé jamais. De quoi? C'est logis, hein, c'est ça? Quoi pour le ministre, oui? 22. Rostov. J'ai un L4 au niveau du terminal. C'est reçu? Reçu. Reçu. Oui, oui. Ah, reçu, hein. Oublie pas mon chéri, faut que tu continues. Ok, go terminal, Pax dans l'L4 armé. Tu confirmes armé? Ouais, armé. Il y a 3 packs à l'intérieur. Pax armé dans l'L4 sur le terminal. C'est bien pris. Je bouge quand même avec le camion ou pas? Non, je suis là. Ou garde-le, bah. Je... Tu retraces-le dans le pire des cas. Ah, oui. Non, mais au pire, je fais vite fait. Je le dépose vite fait à la BA et je prends VL. Ah, fille.
façon, on l'a toujours. Ah, puis. En fait, ce serait plus intéressant de laisser refaire de prendre et ensuite le tracer. Ou alors tu poses ouais un traceur dessus et tu le laisses. Un mot pour l'aider, tu peux répondre à mais bon. Ça aussi c'est une option. Ça. Pour voir les potentiels voleurs de véhicules. Ah, si. Sur Lidon. Hein. Bon, du coup je vais quand même je vais le poser à la BA parce que là on. Et on fera ça après. Y'a besoin de renfort sur le terminal? Ça? Mec, pour l'instant, je vois rien. C'est quoi les tirs là? Ah d'accord, y'a un mec avec un couteau qui s'amuse. Ah, qui s'amuse? Non, il s'amuse pas. Bon. Putain, y'a les flics, les gars. Oh, il y a les flics. Allez, au sol, police, on se met au sol tout de suite, là. Tous. Au sol, une fois, une seule, deux fois. Mets-toi au sol, toi. Mets-toi au sol tout de suite, maintenant, là. Tout de suite, 1, 2, 3. Vous bougez pas. Bon, qui c'est qui s'amuse à jouer avec les couteaux contre les murs, là. C'est pas... T'es... Si, moi, je sais qui c'est. Je crois que c'est lui, là. Ouais, c'est toi, ouais. Le camion, là, dans un côté un peu caché de la BR. Allez les gars, les mains sur la tête là. Vous attendez là. Mains sur la tête. Tous. Qui c'est que je fais? J'ai un motard qui me suit. Ah, je crois qu'il est cassé. Bon, qui c'est qui s'amuse avec un couteau là? À taguer sur les murs là. J'ai une réponse, sinon je vous embarque tous. Alors? Bon. Attends, si c'est toi. Bon, c'est pas grave. Moi j'ai vu un mec avec un couteau, je sais qui c'est. Hop. Mais... Félicitations. C'est quoi ton nom toi? Ah bah vraiment, le couteau, vous savez qu'il est légal? Quoi? Celui-ci il est légal, il est accessible à l'armerie. Je t'ai demandé quelque chose toi? Ouais, mais t'as pas tué toi. Ouais, si, bah tiens, je vais me gêner. Je t'ai demandé quelque chose, je t'ai posé une question. Bah là, vous venez de me poser une question quoi. Bah non, bah je viens de mettre. Hop. Tu t'es. Parce que déjà, quand on est maquillé au niveau du visage et qu'on n'ose pas se regarder dans un miroir, on se tait. Putain, comme ça, mon ami. J'ai glissé en plus sur la détente. J'ai failli te tuer en plus. Bon! Oh, il est joli ton couteau. Navire policière, on ne laisse pas partir. Grand Schtroumpf, ils étaient en hélico. Hein. On est le 4. Ah bon? Ah, c'est eux? Négatif, c'est pas nous. Hein. Ah, si, je reconnais le monsieur qui était là. Ah ouais, c'était eux. Ah la vache, putain, ils sont full armés. Mais c'est énorme. Oh les vaches. Alors, Serflex et tout, putain, c'est pourquoi c'est pour. Oh la vache. Parce que j'ai des problèmes au niveau de ma voiture, du coup il a. Ouais. Trouve-moi une bonne. Allez, trouve-moi une bonne excuse pour te libérer. Bah, déjà, je suis en toute égalité, donc je vois pas pourquoi m'embarquer déjà. Déjà, c'est pas toi qui vas décider, ça c'est moi qui vais décider déjà. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai envie de t'embarquer, je t'embarque. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas eu une arme comme ça. Tiens, je te l'emprunte, vite fait. Hop. C'est quoi? Arme qu'il avait, mon. Gold. Ah, j'aime bien cette arme. Ouais, bah je sais, mais j'en ai pas. Ouais, c'est comme les ça. 4, c'est pas légal, quoi. Et il est silencieux en plus, attention. Hein. Si, les 4, ah, bah justement, je vais le garder. Si vous voulez. Ah, attendez. J'aurais juste que vous m'avez pas pris le coup. Et toi, c'est quoi ton écusson, toi? C'est quoi ton écusson à toi? Ah, ça. Ah, t'es rigolo. Hein. Le club professionnel. VBRC, Very Bad Company. Français, Belgique. Ah, mais... ouais, non, c'est quoi? C'est un gang? C'est une compagnie de plombiers entre la France et la Belgique. Ah bah oui. Bon. De la plomberie, qu'est-ce voilà. Allez, chacun son tour, vont se lever et vous allez nous présenter vos pièces d'identité. C'est parti. Tour, hein. Fouillez-les, hein. Fouillez-les aussi, c'est avec nous. Allez, lève-toi, le franco-belge. Je t'ai mal te lever avec ta casquette là. Monsieur, vous avez dit un par un. Un par un. Bon, alors tu restes couché, toi là-bas aussi. Allez, montre-moi ta pièce d'identité. Toi. Quoi? Je te vois. Pas le malin, tant qu'il est... il a envie de se dire, en fait, pas. Oui. Oui, chef. Bon. Ça marche. Tourne-toi.
T'as les mains sur la tête? Encore? Encore, ouais. Ouais. Eh, je plains à vos collègues, hein. Putain, je pue la transe. Et... Oh. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Pue la mort. Ah, vous avez tous. Eh, mais. L'autre, là, avec le bleu, il aime bien. Allez. Bon. Je retourne à la baie en speed, un problème de. Alors lui, il a des serflex, il a des serflex et des grenades lacrymogènes. Oh bah bravo, ça, ouais, ça par contre. Allez, allonge-toi. Allez, couche-toi. Ah, allez, à toi, Gizno. Allez, toi, Guguz. Lève-toi le marrant là, le comique. Là. Lève-toi le comique là. Bah, je suis déjà comique. Mais ma gueule là. Ah, je suis debout, hein. Elle a non, là, maintenant. Bah, allez, vas-y, donne-moi ta pièce d'identité, toi. Je fais pas exprès. Enlève les mains de ta tête là. Ah, ils sont enlevés. Hein. Par contre, vous m'avez pas rendu mes papiers. Ah, moi je. Allez, donne-moi ta carte, fiston. C'est déjà fait. Ah putain, mais excuse-moi, c'est bon. Tu baisses que. Oh, tu t'énerves pas. D'accord. Allez. Non, mais bon. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais. Voilà quoi. Ah, ok, d'accord. Mais oh, allez, baisse-toi. Putain, mais qu'est-ce que vous faites avec des armes, les gars là? Mais c'est des pistolets, c'est légal, non? Ouais, gna. Allez, à toi, lève-toi. Sur style, on fait tout le temps agresser. Recouche-toi. Attendez, tenez, monsieur. Ouais, lève-toi, toi. Il est debout. Allez, vas-y. On met ta carte. Warren Cruz. Attendez. Hop, tenez. Voilà. Bon, mets les mains sur la tête, tourne-toi. Ouais. Je vais te remettre ton canif. Dans ta poche, parce que je te l'ai emprunté quand même. Tu vois ce que je veux dire? Bah allez! Ah bon, on va y aller les jeunes. Bah, merci monsieur. Bah, allez, bonne soirée. Et la prochaine fois que je vous vois en L4, je vous emmènerai faire un tour. Ok. Ok, on fait ça. Restez dans la légalité, je vous le conseille. Oui, bah oui, c'est ça. Salut mon petit Vaillon, merci beaucoup de ton abonnement, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir. Bon, je te dis pas bienvenue parce que ça fait longtemps que t'es là. Merci à toi. Pourquoi il y a un katana par terre, c'est quoi ça? Direction Hein? Route principale, Kavala. Allez, ouais, direction route principale, Kavala. On peut pas le truc européen. On va pas laisser tomber ton. Où ça par... On peut pas le truc européen, on met le camion et on attend. Ouais, à la limite, ouais. On a toujours le camion ou pas? Ah, si. Ouais, on va le poser à Tira, c'est encore mieux. Du coup, je vais rechercher le Camta. Ouais, et direction à Tira. Bien pris, j'y vais dessus. Mets un traceur dessus. Bienvenue, mon petit Vaillon, bienvenue dans la famille, ça fait super plaisir. Je te laisse aussi nous rejoindre sur Discord pour les jeux intra-communautaires sur LOL, R6, Apex et tout ça, mais également sur YouTube pour revoir les gameplays, les lives que tu as ratés ou que tu veux revoir au petit déjeuner. Voilà, mon petit Vaillon. Vous avez embarqué du monde ou quoi? Oui. Ok. C'est bon comme ça? Bon, désolé pour la qualité du stream de ce soir, les gars, pour les ceux qui viennent d'arriver. J'ai des gros soucis de connexion, donc je fais ce que je peux. J'espère que ça lag pas trop. Mais normalement, ça devrait laguer de temps en temps. Donc j'en suis déjà... excusez-moi d'avance. Voilà. Désolé, c'est la co, c'est Free qui fait des siennes. Merci. Votre compréhension. Je te veux bien partout, Dédé. Hein? Vous êtes sérieux sur le show du véhicule? C'est bizarre, ça. J'arrête. Je vois pas de problème. Oh, laisse-les, je trouve de fête. Y'a un peu de problème. Bah, Yoron, tu me fais peur. Pas des schtroumpfs, on est des hommes. Tout ce qu'il y a de plus viril. Et musclé. Et on mange des Kinder Surprise. Oh putain, j'ai plein de voir. Oh oui, des gros Kinder Surprise. Et pas que des Kinder. Mais dis donc, je vous permets pas. Pas gentil, on aura faim après. Qu'est-ce que tu me dis, raconte pas, tiens. Tu l'aimes, mon Kinder Maxi? Bah, c'est bon, j'ai récupéré le camion, on peut y aller. Bon, allez, direction à Tira, les gars. Ah exactement, on va direction à Tira. À tout le monde, à tous de Dédé. Bien, d'accord. À tous de Dédé. Ouais, tu conduis, conduis. Alors pour information, on met en place une opération camion. Alors on va se balader avec un camion de la LCO, c'est normal. On va se balader, donc vous inquiétez pas. Si j'ai des déclise balise, c'est que j'ai besoin d'urgent d'aide. Reçu. Ah bah voilà, enfin des vraies opérations où on fait du fake.
Allô. C'est bien reçu. Ouais, ok, merci. Allez, c'est parti, attire. Direction attire. C'est quoi ce... Reçu. En fait, c'est un peu... Putain, il y a un avion. C'est parti d'une vanne et maintenant c'est les schtroumpfs. Ah, d'ailleurs, je t'ai pris un béret. Hein. Ouais, il faut que tu mettes un béret sinon t'es viré. Quoi? Attendez, mais il y a des trucs. Ah, attends, je te fais une petite chose. Comment ça se fait qu'il y ait autant d'armes sur le véhicule? Quoi? En fait, c'est dit, il avait 2 320, une HK et moi j'ai rajouté ma QDZ. Parce que j'ai joué BS. Quoi? Quoi? Mais attends, mais c'est une armurerie là. Plus ou moins en effet. Ouais. Allez, en avant. En avant. Vous voulez que j'en fasse quoi avec les... Que je fasse quoi avec les camions que je roule dans le tien? Ouais, tu vas dans un tirage, tu vas au garage, tu... C'est ce que t'as à faire. Bon, bougez le cul à la belle. Il y a un mot qui se pose là, je crois. Oh, c'est peut-être la sac de tout à l'heure. Où? Verdis TV là, il est pas loin de nous. Ah bah on arrive. Allez, foncez les gars. Va où là? Foncez, attire. Attira, vite, 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 allez, allez, percute, percute. C'est bizarre. Azimut, attire. Il va pour se poser, je crois. Ouais, bon, on arrive. Il a changé, le il a rejet vraiment... patron, il est toujours en l'air. Oh, il on arrive, moi je lui. Ah, oui, bah on va se calmer. Hein. Oh, non, putain, mais vraiment. Il a déjà pris et puis il a pris avec moi déjà. Voilà. De toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Fait des trucs chelous le mot, par non, contre. Non, mais. Pas de question. Vas-y, passe devant, on s'en fout. Mais tu cut à gauche là. Cut à gauche derrière, gauche. Les, voilà, derrière les bâtiments là. Cut. Ah ouais. Ah, parfait, ouais. Qui se pose et... C'est un mec en costume le Mook. Par contre faudrait lui expliquer que c'est pas un parking n'importe où quoi. Ah c'est ça. Chaque fois il fait la était sur le négo tout à l'heure au niveau de la prison. Ah il se barre, il va se barrer. Trop tard. C'est parti. Ok. En fait il faut le... Enfin, je sais pas ce qu'on fait là. Ferme ta gueule déjà. Bah allez. Ensuite. Il est où le camion là? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le camion? Et il est devant là-bas. Le camion ça? C'est bon, il l'a. Je m'en vais. Sérieusement? Les R6 rose? Reste pas planté là, tourne vers concessionnaire de gros camions là. Il y aura rien. En fait, c'est le camion, on va utiliser pour bait. Bah, du coup, genre l'OP, c'est quoi là? On sert de bait et on chope des gens qui essaient de le braquer. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et on les envoie en tool. Dans l'ouest, on va tourner longtemps, je crois. Scorpion sera pas là. Et la secte. Ah, d'ailleurs, tu peux bien venir, la secte, on a conclu. Enfin, ils ont un pacte avec le ministre. C'est maintenant. Le truc que j'ai lu tout à l'heure, je crois. Soi-disant. Bah ouais, mais moi je vais m'y opposer. Ah voilà. Bah voilà. Merci. Comme c'est comme cet après-midi, on est d'accord que c'était pas. Non, parce qu'en fait c'est l'autorisation de l'illégal en fait. Hein. Ouais, enfin, mais c'est ça en fait. Mais bah non, en fait. Après ils m'ont fait péter un pont. Hein. Dans ma droite ça de la mettre. Ah bon, je crois pas non. Ouais, c'est ça qui est... Après ils s'étonnent toujours du 5-6 fois. Bah, cassez-vous, laissez-nous le camion. Ah non. Bah d'accord. Hein. C'est pas bien aimable hein, le monsieur là. Il m'a fixé dans mes sentiments. C'est yo-yo dans le camion? Non, c'est casquette. Casquette dans le camion? Ouais. Putain. Il va casser. Ah non, non, mais. Non, c'est comme. Yo-yo, il s'amuse du coup là. Ouais. Une nouvelle voix. Exactement. Là en fait, bon, on est le gang des Schtroumpfs. On a des Schtroumpfettes, on a le grand Schtroumpf. Vas-y, envoie-moi le béret là, il est où le béret? Il est dans le coffre. Le coffre? Vas-y, je le mets. Hop. Hop. Putain, mais t'avais pas de béret là? On est pris encore, je pense à lui. J'ai voilà. Une par balle sur moi. Allez, direction casquette. Allez, on fonce sur casquette.
Bah, y'a un mec avec un gilet pare-balles sur lui. T'as perdu sa casquette, moi? J'arrive, j'arrive. Toujours au même endroit? Ça a pu casser ça là-bas. Prends des pires cut ever. Prends des pires cut ever. C'est comme ça, regarde, on est juste derrière. Ah, ça. Ouais. J'ai pas les clés du véhicule par contre. Ouais. Regarde, t'as une très très belle cravate, dis-moi. Ah oui, je sais, ouais. T'appelles comment? Tu sais. Pas besoin de savoir mon prénom. Comment, mon mignon? Putain, il est où mon pognon? C'est où qu'on pose le pognon là? Appelle-moi Boris. Merde. Bah tu dégages toi, je suis en train de parler avec mon collègue. Je te permets pas avec ta tête. Dégage de là, toi, allez dégage de là, arrête tes conneries, dégage de là. Qu'est-ce que tu veux? Dégage de là. Tu veux que je te fais? Qu'est-ce que tu veux que je te fais? Je suis en train de négocier un gilet pare-balles, donc tu dégages. Négocier un gilet pare-balles, mais vas-y, du pare-balles, là, je t'en achète quand tu veux, mon poteau. Genre là, ouais, mais moi celui-là, je le trouve trop joli. David, il y a David de celui-là partout. Tu dégages. Et dégage de là. David Deschamps qui part tabac là. Incroyable ça, hein. On peut pas parler tranquille. De toute façon, dès qu'ils arrivent au niveau du terminal, ils nous envoient un message. Je crois qu'il y a un autre camion avec eux, on va le taxer lui. Parce que moi en fait, on a fini cette tenue et ce chapeau, tu vois, il est trop stylé, mais j'aimerais bien voir le gilet. Arrête, les mignons. Je vais en faire une sucrerie, je vais en faire ma sucrerie. Eh, vas-y, vas-y, montre-moi. Hein. Vas-y. C'est quoi ici? Quoi, faut défendre le camion là-bas, les gars? Ouais. Drôle de spécimen, hein. Oh mon dieu. Oui. Cette maison, elle est achetée? Comment? Elle est achetée? Elle est achetée cette maison, on peut l'acheter ou pas? Ah, vous regardez, ah ouais, vous ouvrez. C'est où qu'on fait? La venez, ah, viens voir, viens voir. Il y a la porte, c'est ça? Ah, ok. FBI, hop! Non, ça marche pas. T'as vu bien, avant, mais ok. Bah non. Bah j'ai dit, mettez votre tête en avant et foncez dedans. C'est rigolo, ça. Il me rend mal, idiot, en plus. On te regarde faire, mon mignon. Vas-y. Allez, vas-y. Et ta tenue, j'aime bien. La porte elle a même pas clan. La porte elle a même pas bougé. Qui c'est qui a un traceur GPS pour mettre sur la Mercedes devant l'hôtel? Il y a un but derrière ça. C'est bon, j'arrive. C'est bizarre quand même. Mais bon, comment on fait pour. Comment on sait qu'on peut acheter la boîte à la maison? On a un bobo qui arrête devant le TV. Vous ouvrez si la porte elle s'ouvre pas. Ben... Fortement, monsieur Claude Cordias. Je sais pas si. Ah, faut l'enclencher. Hein. Ah ouais. Ah bah, je crois qu'elle est pas... C'est très bon, tout le monsieur a quelqu'un. Attendez, laissez-moi regarder. Monsieur Gartier, elle appartient. Gartier, c'est qui ce Gartier? Ah, je sais pas, sûrement un délinquant. Encore. Comme toute cette ville. De toute façon, propriétaire. Que des délinquants, y'a pas d'homme d'affaires. Ouais. Ah bah, qui vous a parlé dans mon capot? Hein? Ah, je regardais le moteur, c'est un... Ah, bah alors ça, c'est un V8 5 cylindrés avec agent en alu, puis... Bah moi, il voit le moteur. MG. Piston hydraulique, tu vois. Ah la vache, putain, y'a de la thune, non? Vas-y, tu vois les disques de frein, tu vois, c'est des 8 roues, tu vois. Faire un peu. Crafted by. Mais écoutez-moi, monsieur, madame, écoutez-moi là. J'adore ton gilet. Ah non, j'adore ton gilet. Ça va pas être possible. Je suis désolé. Prends-nous les clés du VL et le VL il est ouvert. Ah, ça c'est super gentil de ta part. Je te passe ça. J'aime beaucoup. Allez, ciao, ciao. Hey, ciao, bonhomme. Non, pas du tout. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va ou quoi? Désolé. Ah, tranquillou, hein. Ouais, non, non. J'ai une nectar. Il est bizarre, votre collègue, là, messieurs. Bah, là, ce qu'est, ça gagne. Je sais pourquoi il y a des gens armés ici, bordel. Hein. Oula. Là, moi, je me barre, moi. Gage.
Ouais, moi je me casse aussi, moi aussi. Moi je me casse. Hein. Oh, moi je me casse. Oh là là, moi je me casse. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh là là là. On fait quoi? Oh là là. On transmet? Bon allez, on interpelle le mec là, les gars. Là. Oh, oh, il vient vers sur toi, là, sur le camion là. Eh hey, mec, c'est toi qui propose du boulot quoi? Chérie, comment ça va chérie? Oh là là, mais vous êtes bizarre. C'est qui t'appelle, c'est ce que t'appelles chérie toi? Chérie toi? Eh, un conseil, tu te promènes pas comme ça, il y a des flics partout. Hein? Il y a des flics partout, qu'est-ce que tu te promènes comme ça toi? T'es fou quoi? Ouais, le problème qu'il y a c'est que j'arrive pas à enlever cette tenue et la mettre en second, tu vois, donc c'est ça le problème que j'ai. Donc, voilà. Ah, tu viens d'arriver, c'est pour ça? Non, non, je viens pas d'arriver, c'est juste que je viens de me faire parachuter ici, donc faut qu'il me... Il y a des grosses voitures dans cette ville. D'accord, bon, alors je vais te prendre ton arme, parce qu'en fait, voilà quoi. Et félicitations, c'est la police. Allez, main sur la tête. Allez, hop, hop, police. La police? Allez. Oui, c'est la police, ouais. Allez, reste au sol. Fais pas l'idée. Oh putain, il y a les flics à tirer, les mecs. Bah allez, vous menottez, vous embarquez, on emmène ça au commissariat. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Détention d'armes et équipement illégal. Hop. Allez, ramenez-moi une voiture sur place, les gars. Les gars, voiture sur Nico. Ça, c'est une autre voiture. Allez-y, l'autre équipe. Nous, on a une couverture qui est plutôt pas mal pour écouter ce qui se dit, là. C'est pas sympa, les gars. Hop, bouge pas, je t'ai demandé de pas bouger. Je joue le civil débile, hein. Je me barre en camion vite fait. Bouge pas, je t'ai dit là. Il y a le VL là. Bouge pas, parce que sinon c'est la merde. Attention, attention, le camion là. Eh les gars, une voiture s'il vous plaît là. L'autre RS6, il peut y aller, je vais pas cramer, enfin je peux y aller, mais je vais pas cramer ma couverture. Non, non, je me relève, non. Pourquoi? Eh, y a pas qu'une voiture, les gars. Bah non, je sais pas qui c'est. C'est quoi ça? Allez, on se casse. Mais y'a les Condés, frère. C'est bon? On se casse, y'a les Condés là, putain. Ça c'était pas 4 ans, ça. Y'a 30 mecs qui vont tomber dessus, ça c'est génial. C'est quoi ça? Genre quand tu klaxonnes avec ce putain de véhicule, ça met les sirènes? Non, faut que tu klaxonnes avec clic gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas, les gars, expliquez-moi, merde. Bah en fait, on est des rebelles et on va t'embarquer. Putain, y'a les Condés en plus. Je sais, mais pourquoi? T'as appelé les Condés, je suis sûr. Parce que t'as pas de balader comme ça sur notre territoire. Non, et j'ai expliqué à ton ami là que je sais pas ce qui s'est passé. Normalement, je devrais pas être là. J'ai simplement une voiture pour me barrer là. Soyez sympa, les gars. Qu'est-ce que tu fous sur mon territoire avec un gilet pare-balles et une arme dans ton sac? J'arrive pas à les enlever, c'est ce que j'arrive pas de dire à je voulais les enlever, mais sans les perdre. Du coup, je suis nouveau ici. Hein. Ah, tu viens d'arriver? Ouais. Ah, mais t'es déjà équipé comme ça? J'ai Victor dans le tir. Comment tu vas? Tu viens d'arriver, t'es déjà équipé comme ça, toi? J'ai trouvé une voiture qui était moitié cramée, d'accord? Ouais. Avec un corps à côté, donc je me suis servi. Hein, bah, que si normalement, t'as volé. Donc t'as volé. Mais non, j'ai pas volé, il est mort, le gars. Non, mais prends les infos, t'as donné. Bah, t'as volé à mort, t'as volé à mort, t'as volé à mort. Non, mais non. Tu voles les morts en plus, t'as pas honte? J'en dis que c'est pas la merde. Oh là là. C'est quoi ton nom toi? Ma grand-mère elle voulait pas les morts quoi. T'as volé un mort quoi. Ouais, c'est ça. Allez les gars, bouge pas toi. Hop, vous faites le rapport. Rapport complet. Et je lui remets le sac, son arme dans le dos, dans le sac. Hein. Son arme est dans le sac. Bon allez, et l'autre équipage, on repart. Yep. Ouais. On est toujours en place à couvrir le camion, nous. Hein. On se promène comme des civils. Faites. Pourquoi j'ai pas de... Oh putain. C'est quoi ça? Désolé, mais ça, c'est à moi. Hop. Ah non, il est là, mon arme. Non, hop, parfait. Tenez-moi les gars, oh. Bien sûr, on s'attendait, oui. Je vais taper un crash en CPA, génial. Note pour moi, même, je ne cherche pas son feu quand on pilote. Bien le bonjour. Bonjour, comment vous allez, messieurs?
Très bien, et vous? Très bien, merci beaucoup. Vous êtes qui, monsieur? Je suis Al Halbi Mohamed d'Algérie. Je suis venu vendre tapis police, mais police pas là. Si. Il y a du monde. Police ici? Bon, ministre présent ou pas ministre? Ministre présent. Ministre où ça? Ministre est actuellement occupé par une future entreprise, mais qui se dépasse. Ah, qui arrive BA, vers la BA. Toi, gloussé, toi, manger trop bonbon. Alors, mon katana? Ouais, sympa ton katana, merci. Ah. Sympa. Ouais, le problème, c'est qu'il y a des gens. Voyez. Oh là, regarde ce que. Oh là! Tiens, tu le veux? Ah, je veux bien. Tiens, cadeau. Merci, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me reçois? Ouais, transmis. T'es calé. C'est toi qui le camion? Ah, si, je suis juste en, je suis en train de parler avec Thierry. Bon, il me faut le ministre, parce que j'ai un problème, moi. Ok, je te le mets. Après, tu pourras lui mettre ça en paire de gants aussi. J'ai pas... Tiens, je veux pas son numéro, donne-moi son numéro. À nouveau. C'est quoi son numéro? Son numéro? Ouais. Alors, son numéro, monsieur le ministre, 06. Ouais. 62. Ouais. 64 52 35. Est-ce que j'ai un problème? Oui? Attends, c'est ça. Vous allez le mettre en prison, messieurs. Pardon? Ah, c'est bon, je suis libéré. Vas-y, viens, moi, partir vite. Vite, 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 partir, partir génie, maintenant. T'es un génie! Comment t'as fait? Mais je sais pas, mec, allez, on se casse. Eh, le pire c'est que j'étais en train de faire une fake radio en disant vas-y mec t'es enfermé, comment on fait, comment on veut pour te libérer. Le mec il a dit putain c'est des génies. Oh, c'est quoi ça? Je me raconte sa carte. J'ai failli take down un carte mais je sais même pas d'où il sort. C'est quoi ça? C'est génie. C'est génie, il se passe quoi là en soi-tire là? Je sais pas, y'a toujours yo-yo et tout le bordel en fait. Tu peux aller te foutre au bijoutier casquette? Ou hors paire de gants? C'est bon, j'ai terminé, les gars, j'ai du croustillant. T'as quoi? J'ai du croustillant. Ah bah tu vois que ça aide des fois de faire du bait. Le monsieur qui vient de parler, il va mettre tout ça par écrit, comme ça on aura un truc officiel qu'on pourra remettre au ministre. Parfait. Oula, c'est quoi ça? Toujours là, lui? C'est quoi ça? Du coup, direction Gravia Bijoutier, c'est ça? Salut, garçon. Ça va? Comment ça se passe, garçon? Vous me dites où est-ce que je me fous avec le camion, je me pose. Non, mais oui, j'étais. Ça va, garçon? Oh, gosse! Ça va, bien? Ouais, ça va. Ah, je me fous, grand schtroumpf. Tu fais comme ça là? Ok, d'accord. Wow. Eh, le chasseur de primes là, tu fais quoi là? Oh bah, tu dors dans ta bagnole toi? Oh, des poubelles. De mandoline! Mais il est occupé pour le moment. Des poubelles. Oh, des poubelles! Oh, des poubelles. Oh, c'est bon, les poubelles là. Ouais, le boisson, le Spark. Ouais, je connais pas trop. Ok, mais j'ai pas de si tu sais, prêt à intervenir. Le spec. Ah ouais, je crois que c'est nous. Oh là là. Bah oui. T'en as envie de redormir. C'est pas parti de la sec. Ah non, c'est pas ça. C'est au niveau de la blague. C'est pas. On est pas sur un haut level. Ok, ouais. Bonsoir. Ah non, mais pourquoi? Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Tu encore de moi, je te connais. Bah, allez, on se casse! Parce que. Laisse-le dormir, lui. Allez, on se casse. Ah, rien à branler. Allez, on se casse! Bah, je vais aller pécho du spec. Je veux pécho du spec! J'ai périté les trucs du cas d'avoir chopé ce camion en vrai. Ah, je sais, tu peux m'appeler Cédric. Je veux spec! Non. Du coup, Dédé, on se pose où avec le capteur là? Alors écoute, y'a pas mal de monde au centre-ville quand même, hein, tiens. On va aller check la mine de diamants, nous voir s'il y a pas des méchants monsieur.
monsieur armé. Et après, on revient, tiens. Bah, vas-y, bah, go, je vais faire genre que je vais miner. Ouais, vas-y, mine. Une mine. Putain. Alors, la dernière fois que je suis parti, je suis revenu, j'étais coma. Non, t'inquiète pas, pas deux fois. La dernière fois, je te rappelle que j'étais plus de sang. Y'a personne à la mine. Mais vraiment personne. Deux individus au garage. Ah ouais, là, j'ai son... Quel garage? Pardon? Quel garage, le message? Ça vient d'être tiroir, le message. Autre, non, 036 131, c'est carrément ailleurs, ça. La place de Kavala. C'est la place de Kavala. On va à Kavala avec le camion? Bah allez, on va à Kavala avec le camion. Mais c'est nul. Ah, et le camion, c'est trop lent. Terminal à Morme. Allez, terminal. Envoyé depuis l'iPhone XR. Hey, commence à tous vous copier là. Ah bah oui. Hey, du coup on fonce tous la terminal go. Ah mais du coup je peux pas rester dans un tirage, j'ai un gros L4 CPA. Même avec ton camion tu peux y aller en. Ok, j'ai un gros L4 CPA aussi de tirage, du coup on va éviter la tirage. Ouais. T'en fais pas, mon fou. Direction terminus. C'est bien pris. Des flics. Oh, ça, c'est ah merde, il est combé. Les keufs, là, bâtard. Bâtard, vas-y, les keufs, là. Putain, il y a les condés, là. Ils sont mignons, les condés. Et tu vas encore t'attraper, ou bien bah d'abord, tu connais même pas mon nom ni mon prénom, donc je te permets pas. Ensuite, on se connaît pas, on n'est pas potes, donc reste à ta place, s'il te plaît. Je suis pas ton pote là. Salope. Ouah, comme ta tête, ça, ma chérie. Il est ouf, lui. Ça part en embrouille dans la radio. Non. Il y a personne au terminal. On bouge à Kavala. T'es avec les flics. Kavala. Du coup, direction Kavala, les gars. Ah, vous avez eu accident, messieurs. Casquette pour DD. Ouais. Fallait pas qu'on chope un Claudius, là. Un quoi? Moi, je les zoulette. Qu'on chope Claudius Cordius. Si. Ouais, je zoulette, ça va. Elle fait leur zone. Allez, écoute, ça va, tranquille. Hein. Ah, j'ai de l'argent, tu veux venir avec moi? Ta gueule. Il m'a dit ta gueule. Vas-y, ma voiture là, putain. C'est ma voiture, wesh. Non, ouais, tu touches pas ma voiture, toi. C'est la mienne. C'est vrai qu'il a mis tu touches pas ma voiture. On peut lui sortir un bail, non? Touche pas ma voiture. Ouvre ma voiture, je te dis. Vas-y, ouvre ma voiture. C'est la mienne, wesh. Ouvre ma voiture, je te dis. Non, c'est la mienne. Ouvre-moi ma voiture. C'est la mienne. Vas-y, ouvre-moi la voiture. T'es sérieux ou quoi, le crâne d'œuf là? Vas-y, ouvre-moi la voiture. Un gros déglingué. Ah putain, c'est... t'as tes règles ou quoi, crâne d'œuf? Bah ouais. Non, c'est toi qui les a. Ah ouais, merde, putain. Gonzesse. Ah la gonzesse. Ah, j'ai senti aucune. Ah la gonzesse. Vas-y, on monte ta voiture. Ah mais je comprenais pas. Allez, on se casse. Trace avec ton camion. On a nos voitures cassées. J'ai senti aucune douleur. Comment? Eh mademoiselle, t'es charmante, je dirais pas une glace à la menthe. Dieu t'a mal donné. Fais de la gueule, de toute façon la glace à la menthe serait pas suffi, allez. Circule, dégage. Ça c'est bon, alors du coup c'est lesquelles les voitures là qu'on a besoin de réparation? On se casse. J'ai rien contre les trans mais bon. C'est la nôtre. Oh ça va. Allez, on se casse. Pourquoi il coupe de la glace à la main? Putain, les techniques de drague pourrie quoi. Qu'est-ce qui se passe? Sur cascade vite. Gaz ouais, les gars, gaz. Eh, je peux pas tout faire en même temps, je peux avoir les mains sur la tête et te donner les clés, bonhomme. Allez, gaz. Le disco là, ma voiture, comme un débile. Ah ouais, c'est bien fait. Allez, on smile.
Ah, c'est canal. Attends, 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 hey, je trouve pas mes clés. Attends, je vais prendre là. Hein? Alors, attends, 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 attends. Attends, il y a 3 mecs. Allez, les mains sur la... Attends, 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 attends. Allez, 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 allez. Bouge pas. Main sur la tête là, main sur la tête, main sur la tête. Tout de suite là. Il est où le troisième là? Main sur la tête, je t'ai dit là. Tu bouges pas, t'es en arrêt, l'état d'arrestation pour braquage. Allez la police, vous gérez s'il vous plaît. Ok les policiers, vous gérez s'il vous plaît. Dev, Dev, vas-y pars. Du coup est-ce qu'on peut vous laisser gérer les unités s'il vous plaît? Ah fiance, on s'en occupe. Ok, vous avez deux individus tentatives de braquage sur un camion. Hein. Ok, sur. Sniper pour Cobra. Allez hop, on s'en va nous. Vous avez besoin de nous? Reprends le camion. Allez, on se casse. Allez, le camion où tu repars, on se casse. On a besoin d'un Viper pour extraction. Bah, péta mon. Par exemple, ma batteuse. Ouais, il va falloir venir chercher des packs qu'on a en. Ma batteuse? On va pas prendre de personne avec nous. Ah, si, ma sœur elle est là. C'est bon, c'est bon. Elle était là et je reviens, je fais. On vous laisse traiter par contre. Alors, attends. Voilà, c'est bon. Moi j'ai un RCO, il y a un UTG Defender, en vrai, c'est celle-là. C'est bon. On embarque le parc direction du trader et on va ça, direction vers Bernus. Ah putain. Bah on continue, on commence la route avec le camion là pour l'instant. Avance avec ton camion, essaye de se refaire braquer encore. Allez les Syrah, on reprend canal 6 et on s'en va, on poursuit la route. Ah ouais, on a réagi. J'étais... Moi ce qui m'a fait marrer c'est quand même que il y a une moto, la seule intervention en moto qui débute, tu vois, c'est la moto qui arrive et qui dégomme tout le monde. C'est... ouais, c'est le début de la BMO quoi. C'est ça. Il sait pas encore maîtriser sa moto, il sait pas freiner. Naturellement vous leur mettez la totale aux gars hein, pour braquage hein. Détention d'armes, braquage et tout ça. Ça marche bien quand même, hein. Le camion fake. Ah, ouais, ta balise suffit largement. Tant que t'as ton GPS sur toi, tout va bien. Ça marche bien la nouvelle technique DD, hein. La meilleure invention, c'est la balise. Ça appelle toutes les unités en l'espace de 10 secondes. C'est ça. C'est là, même si elle sort la B en train de demander. Je me rappellerai toujours, je dis, le moment où on est arrivé à la douane nord avec Dédé. Ouais. On est arrivé à la douane nord avec Dédé. Et là, il y a un mec qui s'est mis devant nous, il est descendu, il a fait descendre les mains sur la tête, il a tiré, je suis descendu, j'ai mis balise et je suis mort. La balise a fait rameuter toutes les unités sur nous. C'est ça. Bon, j'ai eu le temps de transmettre quand même avant, besoin en fort sur... sur douane nord, code nord, mais bon. De toute façon, une balise sans message radio, ça encore. Ouais, ça marche quand même. Non, ça marche mieux encore, parce que je pense que c'était commun. Pas déclencher ta balise quand t'es commun. Oui, mais une balise sans message radio, en plus. Sans que tu aies besoin d'aide, etc. Ouais, il se braque, il se braque. Ah, je croyais que c'était... une voiture, il y a une voiture. Le VL noir là, c'est le VL du mec qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a tracé devant la BM. Putain, c'est quoi ça? Klaxon ou je rêve? Oh, c'est quoi ça, maman? Déjà? C'était quoi les voitures là? Ouais, j'étais en train de parler simplement.
disait rien d'illégal, je crois qu'elle cherchait, c'est des gens qui cherchent des maisons. Et vu qu'il y a une maison qui est disponible à cet endroit là, mon ancienne maison, bah... Parce qu'en fait, je vous expliquer, on a, j'ai, on donne une nouvelle direction au serveur. On donne un... On a avec qui parler. On va donner une orientation Serious RP sur le serveur. Ce que j'avais déjà dit dans mes précédents live. Et là, c'est ma mise en application. J'ai demandé à tous les rebelles d'être RP, d'éviter des gunfights, et j'ai dit à la police de ne plus créer de gunfights. Voilà, et de jouer RP. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que ben, on fait du RP. C'est-à-dire qu'on prend un camion, on fait un fake, et on attend qu'il se fasse braquer, et on met les braqueurs en prison. Voilà, et si ça perd en gunfight, ben, c'est à eux de se démerder de jouer RP pour s'en sortir. Tout simplement. Donc la nouvelle façon de jouer, ça va être ça. Tu as kiffé les 12 motos qu'on voit. Carrément. Franchement, quand je me suis côté tout à l'heure, j'ai vu les motos, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça. Et franchement, je kiffe. C'est pas mal. J'aime bien. La magnifique arrestation de tu fonces avec la moto dans le tas. Par contre, j'ai aussi bien aimé ta façon d'arrêter les gens en moto. Ou les tuer. J'ai kiffé. La place de Kavala. Apparemment, il y a des mecs de la sec. Ok. Plutôt. Bah c'est pour un mec qui a fait des champignons de Paris là, comme tu sais si bien le dire là, je sais pas ce que c'est. Oh, il avait entendu tout à l'heure. Ouais, le mec il avait dit qu'il faisait des champignons de Paris, il est débile lui aussi. Ouais, je sais que c'est toi MDR, pour, info, pour ça que je te dis ça. Ah c'est pas toi, je crois que c'est... Ah non, c'est Eden Scott. C'est Eden. Ah bah écoute, tu pourras dire que si jamais t'arrives à croiser ses collègues, tu diras au pire ouais bah y'a un de tes collègues qui m'a parlé de champignons je sais pas quoi, on m'a dit que c'était un con. On m'a dit venir vers vous, ok voilà, et puis ouais. Truc de fou, j'ai l'impression que la sec ils sont partout. Il y a des mecs à Kavala, des mecs à Tira, des mecs à Piago, c'est mieux que d'avoir un tas de rebelles groupés partout bizarre. Salut Mister X, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne. Tu peux nous rejoindre sur Discord pour les jeux communautaires et sur YouTube pour voir les lives le lendemain matin ou pour voir tout simplement les lives que t'as envie d'en voir. Merci à toi et bienvenue, Mister X. Bonne tuyon. Fox. C'est ton serveur? Ah non, pas du tout. Je suis administrateur du serveur. Il est derrière. J'avais oublié, mais putain, qu'est-ce que c'est long le camion? Et voilà, on retrouve toute la joie de vivre de quand t'es un civier que tu farmes. Pas du tout, je suis admin. La joie de vivre, moi je me suis quand même pris une moto dans la tête. Heureusement que j'avais ma copine, parce que putain. Attention, VL en plus. Oh, je me suis fait une taquille. C'est un boom. Je vais sur l'autre VL et je sais pas s'il peut comment. Garçon, you, il est coma. Oh non, il est pas coma. Ok, ouais. Ok, il y a des médics ou pas? Il est coma, il est coma. Il est coma. La sécu civile est coma. Oh merde, quel dommage. Il était au niveau de l'aéroport. Hein. Ah mais là faut vite, le mec là il vient de se cracher, il vient de se bouffer le camion. Oh il non, commence. Si la sécu n'est pas là dans 3-4 minutes, il va crever. Hein. Mon gilet. Allô là. J'arrive avec toi. Écoute. Il est complètement défoncé. Ah mais c'est quoi ce bordel ici là? On peut vous aider messieurs? De notre effet. Ouais c'est ça. Merde. Attends, c'est quoi ce bordel? Appareil sa voiture. Le camion aussi, ok. Merde, j'ai mon gilet pare-balles putain. Moi j'en ai besoin pour mettre les gars. Oh, on peut pas le mettre dans ton costard? Oh, il est explosé. Hein. La place dans le costard, y'a pas de place, c'est chiant. Je répare le camion et je le bouge. Super, ma mignonne. J'ai fait là. J'ai dit que j'étais pris, pas peine d'insister. Non, mais je regardais si vous aviez une prise ou prise. Prise ou prise, ça dépend. Viens voir ce que j'ai entre les pattes, mon mignon. Non, mais je te rappelle que c'est moi ton grand schtroumpf en fait. Oui, je sais, mais bon... Bon bah alors, non, alors arrête de pointer l'inibar, il va causer là-bas. D'accord. Ton inibar à terre. J'ai fait un chantage. Quelqu'un a placé qui? Un fil. Réponse. Ils arrivent, ils sont en dragon. Je retire les garrots. RCP. Il a eu le temps, il a eu le temps de fermer la voiture quand même. La jambe. On a encore le bras gauche qui est touché. En sérieux? Ouais. Vas-y, écoute la morphine. C'est un fou lui. Là, t'as mis morphine? Ah bah. Ah bah il s'est réveillé tout seul. Oh!
Ramenez la sécu, c'est possible, c'est une civile sur le ville. Oh mais gueule. Ah, oh la vache. Ça va, Joe? Non, ça va pas. Non, ça va pas. C'est quoi ton nom, Gadjo? Rico. Rico quoi? Putain. Hey, Rico! Moi, bonnet, c'est ça, Niolita, hey! Il est mignon comme tout, lui. Hey, Chico! Hey, Chico! Le monde de Chico. Oh, les schtroumpfs là, putain! Et quand le grand schtroumpf il parle, on ferme sa gueule, merde! Fais attention, toi! Bon, et Rico! Rico! Moi, bonita, c'est une héritage. Une femme sur deux a déjà fait l'amour avec moi. Pour l'autre, c'est juste une question de temps. Écoute-moi bien. Tu as foncé dans mon camion. Négatif. Comment ça, négatif? Il y a qu'un peu de dire grand schtroumpf derrière ça. Négatif, toi qui m'en faisais dessus. Non, c'est toi qui a rentré dans mon camion. Non, c'est toi qui a foncé dedans, hein, t'as vu. On t'a vu. Attendez, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je me défende? Vous êtes deux contre moi. Bah, exactement. Tu dis rien. Tu remontes dans ta voiture. Allez, remonte dans ta voiture, fiston. Elle est réparée, t'es soigné, tout va bien. Tu pourrais remercier les grands. La famille des schtroumpfs. Oui. Non, je te vole pas. C'est mon petit-fils, ce sale gosse. Hein? Mais non, je veux pas. C'est mon petit-fils, ce sale gosse. Qui? Ton petit-fils de quoi? Alors, je vous avais déjà expliqué, j'ai une fille qui s'appelle Marine Braga, et Marine Braga, elle a. Comment dire? Elle a. Eh ben, elle a eu Rico Di Pasta. Elle l'a adopté, en fait. Adopté qui? Tu prêtes ton quad? Ah, moi, je suis son grand-père, là. Ma qui? Ah, bah, ma fille, Marine Braga. Je comprends, hein. Putain, mais... Ah, en gros, moi je suis le père de Marine Braga et lui c'est le fils de Marine Braga, donc je suis techniquement son grand-père à ce sale gosse là qui est en face de lui, là en face de toi, là, Rico Di. Moi j'ai un muet en face de moi par contre. Rico, écoute-moi bien, Rico, tu es soigné, ta voiture est réparée, tu peux vagabonder aussi loin que ton plaisir t'emmène là. Tu passeras le bonjour à ton grand-père, John Dimmers. Pas de soucis. Merci. Allez, bisous. Et on dit merci les schtroumpfs. Et on dit merci qui? Merci. Merci les schtroumpfs. Merci grand. Moi, merci grand schtroumpf. Allez, on s'en va. J'ai un petit problème, j'ai un monsieur muet là. Ah. Mais les yourettes, elles sont changées de véhicule. Non, mais attends. Reviens. Eh, reviens, mec. Pourquoi t'es muet? Mais je sais pas, il parle pas. Pourquoi t'es muet? Secoue la tête. Saute, danse, allez, chante, danse, et remets tes baskets, ouais, chouette, c'est ce que tu verras, danse avec moi tes baskets, ouais, allez, accroupis-toi, couché, accroupi, debout, ouais, c'est ça, et vas-y, vas-y, passe au-dessus de moi, mais c'est quoi du quad, là? Ouais, non, on va vérifier quelque chose au niveau de Negades, vu que la Merco de tout à l'heure qu'on a tracé, si il part, on va vérifier s'il n'y a pas de maison ou des trucs illégaux là-bas. Cours de la maison, il y a une bonne. Faites attention, c'est un membre de la structure, les mecs. Oui, bon, on le sait, merci, c'est pour ça qu'on l'a tracé en fait. On suit casquette avec son camion, nous. Le mec, j'ai reconnu sa voix. Il était vraiment muet par contre, le mec là. Rico. Ouais, il est parti faire un déco. Rico, Kiriko des Pepstar. Et là j'ai fait. Oh putain, je vais m'éloigner parce que si lui me reconnaît, je suis pas dans la merde. Oui, il s'avance carrément en déhonneur la voiture. Nord de quoi? Honneur de où? Pensez à fermer la voiture quand vous descendez. Hein. Ouais, bah sinon ouais. Il nous pétonne nos armes. Trouvez-moi les gros. Bonjour monsieur la sécurité civile. Salut la sécu. Oh, jolie voiture. Oh. Ouais, salut beau gosse. Salut beau gosse, ça va beau gosse ou quoi? Alors beau gosse, comment ça va? Bah très bien et toi? Ah non, bah ça va, tu viens plus aux soirées dis donc. Ouais, tu viens plus aux soirées lesbien.
Oh, ah bah parfait. Fragile. Impero. Fragile. C'est pas là. On est des noms connus. Et on est des femmes fortes. Je sais pas. Quoi Des viewers. Ah là, de Jeff, j'ai une véhicule qui appartient à un mec qui s'appelle Dimitri, et je sais pas s'il les vend ou pas, mais... Il y a un mec qui vient de crier ton nom de famille. Ouais, ah, je sais, j'ai mis de la sécu, il a rien compris. J'ai les mains sur la tête. Alors écoute pas bien, si tu me fouilles mes poches, vas-y. Mais voir ici, toi. Oh, tu sais comment je m'appelle, toi. Et toi, comment tu sais? Toi, comment tu sais comment je m'appelle? Bah, t'as commencé en premier. Putain, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ils sont bah, non. Je suis crevé. La prochaine fois que tu cries mon nom comme ça, je te crève. Tu quoi? La prochaine fois que tu cries mon nom comme ça, je te crève. Bah, c'est pas les menaces sur la sécu civile. Eh ben, c'est pas des menaces. Je t'avertis, c'est un avertissement. Tu cries mon nom, je te crève un peu quand même. Eh ben. Une menace, une affirmation, c'est pas pareil. Mais exactement. Oui, mais c'est pas une menace. Ouais, mais une menace peut être affirmative. Non, eh ben, c'est. Elle est... Mais bien tenté, c'est bien tenté. La reçu des lesbien. Tu provoques aussi, hein. Lesbien. Il y a un peu de ma faute aussi. C'est de la provocation, tout ça. Je suis numéro 2 de la police et je suis en mission. Donc, crie pas mon nom comme ça. Pas de soucis, attention. Transmets. Vous avez entendu la radio? On a une voiture qu'on a tracée qui vient de révéler une position de maison. Ah, on y va. J'y vais en attaque avec le camion. Et tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais tombé comme. Mais non. En avant les schtroumpfs. C'est bien, ton camion va nous permettre d'embarquer tout ce qui est dans sa maison si c'est légal. Eh ben y'a plusieurs fonctions. Déménageur de l'extrême. Oh! C'est fou l'autre à crier ton nom comme ça d'été. Ouais, mais il sait pas la différence entre l'URL et le RP en fait. Mais de quoi il parle? Y'a un mec qui a crié le nom de famille à Dédé. Allez, écoute. Essayez de commencer à prendre le visuel sur lui, nous on est en train d'arriver avec le camion. A toutes les lignes fissures, laissez-moi l'approcher parce que je vais déjà parler, je vais lui dire est-ce que tu peux m'emmener au LSD, un truc comme ça, tu vois. Je vais essayer de l'embatouiller avec moi. Ils te connaissent déjà, Cascade. De quoi ils me connaissent déjà? Racinus, il est toujours dans la police? Affirmatif. Ouais. Merde. Ok. Quoi? T'as eu comme info là qui t'est survenu? Rien? T'as une info sur toi. Et pourquoi Nick, tu dis qu'il me connaisse déjà? Je sais pas, t'es assez connu quand même. Dans le milieu. Et pourquoi je serais connu? Je sais pas, Alex Lopez est connu. Ouais, ça tombe bien, je m'appelle pas Alex Lopez, je m'appelle James Smith. Ouais, non, mais les mecs, ils te connaissent tous, au bout d'un moment, ils reconnaissent tous la voix de kilomètre. Mais je vais parler quand tu vois Jeff, je vais pas te mentir, il est connu de juste par son costume, il est connu en fait. Son costume et son chapeau. Bah ouais, mais aujourd'hui, il porte un chapeau. Il porte un béret bleu aujourd'hui. Moi, je suis pas connu, moi. Mais toi, le petit bleu bar, petit crâne chauve, tout le monde saurait en théorie. Que comment tu connais les tout le monde a déjà entendu le mot. J'ai violé hier soir. Oh merde. Bah, justement, je suis allé en prison de violer. Les gars, vous allez où? On a les packs sur nous si vous voulez. Ah, bah, on arrive, deux secondes. On arrive, deux secondes, c'est pas sûr, non? Vous avez pas la maison de l'autre là? Si, mais justement les mecs sont à côté de nous. Oui, les mecs ils ont. Bah, en avant. Mets-moi un point sur carte sur la maison. Les mecs. La maison elle est. Les deux sont pile sur nous et la maison est pointée sur carte. Okay, je vois pas les points moi, bordel.
Niveau du nord, là, au-dessus du nettoyage de sable, maison. Ah ouais. Attends. Allez, on top. Donc on a quelque chose à les reprocher ou pas? Neg. Ok. Allez, j'avais... Ah, il devant les pneus pétés là. Un trafiquant. Ça c'est un trafiquant de drogue ça. Ouais. Je l'avais vu la dernière fois. Terrible. Il y en a qui va à la maison et qui me chope le nom du propriétaire de la maison. Pourquoi tu veux mes clés? Vite. Mais je te donne mes clés, les bons, les frais. Vous êtes de quelle famille, messieurs, là, pour fouiller Nous, on est les Schtroumpfs. La famille Schtroumpf. Ah ouais, c'est les keufs. C'est sûr. Mais il y a un keuf, un keuf. T'as déjà vu qu'on est des keufs, non? T'as des keufs partout, toi, tu vois des keufs partout, t'as eu ta gueule. T'as eu la gueule que t'as. Vu la gueule que t'as, on dirait plus une porcherie qu'un mec. Je vous êtes méchant comme ça avec moi. Bah, parce que t'es idiot, t'es les keufs, Est-ce que je te traite de cochon, moi? Mais ta gueule que t'as, non? Bon bah alors. Ouais bah tu me parles pas. Tu recules et tu me parles pas. Recule, je te dis. Voilà. T'es qui toi? Répétez. Le mec, quand il est sorti de sa maison, il est sorti tout nu. Il est juste sans sac, là, quand tu peux constater. Ok, et c'est quoi le propriétaire? Je sais pas, on les a vus se cacher dans la maison, c'est forcément l'un des deux. Vous avez entendu ça là? Bah faites-moi une identification de la maison. C'est quoi ce gangster? C'est un gangster. Ouais, c'est ça, ouais. Vous avez laissé partir un gangster, ouais. Vous êtes au courant de ça? On aurait besoin de vous, et alors? Bah ouais, de laisser partir quelqu'un qui vient de dire je vais perdre la LSD. Et alors, pourquoi je devrais là? Je sais pas. Appelle la police, fais le 17. Je sais pas. Bah ouais. C'est bien pris, on arrive à vous. Je sais pas, vous avez l'air d'être contre ce territoire, hein. Vous êtes quelle famille vous? Tu voulais que je me mette en couverture ou pas? Tu veux que je me répète ou comment ça se passe? Ouais, vas-y, répète, on va. Ouais, on est les Schtroumpfs, la famille des Schtroumpfs. Et moi je garde la voiture, je vous attends juste pour la réponse. Ouais. Exactement. Putain, tu me soufflais dans l'oreille. J'ai raté les Power Rangers. Je suis asthmatique, excusez-moi. Ouais, bah les Power Rangers, ça va. Il y a des gars qui les ont chopés là, est-ce que vous les avez vus avec de l'équipe là? Bon, est-ce que je pourrais avoir l'information que j'ai eue, s'il vous plaît? Bourgade. Ah, c'est encore dans. Allez, vas-y. Cherche une maison. Ouais. Elle arrive à la maison. Mais le monsieur aussi cherche une maison. Bah, ça tombe bien, on est deux. Ah, vous êtes trois. Je crois qu'ici c'est plein, les gars. Toutes les maisons sont prises. Mais pourquoi c'est plein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi comme activité? J'en sais rien. Ça c'est ça a l'air d'être mouvementé comme ville, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal hein. Alors le propriétaire pour vacances, c'est pas mal. À côté de la plage en plus. Bien reçu. Ouais, bon. Les côtes. Eh ben écoute. Étant donné que tu me dis que je dois pas l'arrêter, t'es en arrestation. Là, en attente d'arrestation. Et toi aussi, hop, là tu es déjà arrêté. Hop là. Pourquoi monsieur? Pourquoi? Allez, vous les embarquez, on va directement chez toi, on va voir ce que t'achètes toi. C'est quoi les raisons là? C'est quoi la raison, monsieur? Bah, les raisons, mon gars, tu le sais très bien. Allez, hop. Me noter celui-là. Regarde. Ouais, tu me notes et t'embarques, on y va. Maison aussi, mon gars. Après, on arrive en plus. J'arrive deux secondes, les gars. Par terre, hein. Ah merde. Ouais, c'est un droit de mon. J'arrive très vite. Putain, il est allongé dans la caisse, lui. On s'en fout. Et les gadgets, ils sont où, là? Tu l'embarques, tu fais quoi, là? Ah, bah là, vous m'avez fait. Je suis rien faire. La voiture, monsieur, s'il vous plaît. Ça y est, vous avez ta tête? Un fion, la tatane. Et par contre, de quel droit vous permettez de nous arrêter comme ça, genre depuis quand? Bah, tu t'étais, le truand, tu t'étais. Non, bah, t'as pas de droit là, t'es avec moi, t'as pas de droit avec moi. Avec moi, t'as pas de droit. Maintenant, on va chez toi, on va vider ta baraque, t'as compris? C'est une dictature? Exactement. Alors, pour information, on est un groupe d'investigation. Ça fait toute la soirée que tu te balades avec un traceur GPS au cul. Donc maintenant, on va fouiller chez toi, t'as compris? Traceur GPS. Ouais, t'as un traceur GPS sur ta bagnole depuis le début de la soirée, garçon. Donc maintenant, on va aller chez toi tranquillement, on va voir ce que t'as. Si t'as rien à te reprocher, tant mieux pour toi. Si t'as quelque chose à te reprocher, t'es dans la merde. T'as compris? Est-ce que vous pouvez augmenter la clim, s'il vous plaît? Y a pas de clim dans ma bagnole, c'est moi qui la décide. C'est intérêt d'avoir très chaud. Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Quoi? C'est moi que tu traites de rigolo? J'ai te rappelé des souvenirs, y a pas plus tard qu'il y a deux jours. Tu m'as pris de haut, je t'ai dit que je te retrouverais.
qu'on aille se revoir, je t'ai pas menti. C'est aujourd'hui. C'est toi qui parlais là. Ouais. Je comprends rien, bah oui, bah, moi je comprends Simon, rien. T'as plus besoin de notre kit, t'en as encore besoin. J'arrive. Tu revois avec le camion. Alors, t'as quoi à te reprocher dans ta maison? Bah, de toute façon, on pourra pas être ouvert tant que vous avez pas demandé. Hein. Ouais, ouais, bah t'inquiète pas, hein. J'ai mon serrouillé. Ah, mais je vais prendre une ministre, moi par contre. Parce que ouais, ouais, ouais. Contacté, vous allez me faire virer. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, appelle-le. Attends, ouais. Je vais l'appeler, ça va être plus simple. Vous avez chopé les deux heures en BGP, super. J'attends que ça soit ou pas. Allez, vous. Je veux un avocat et le premier ministre. Ouais, mais ça marche pas comme ça, ça marche pas comme ça. Non, non. Tu fermes ta. Allez, hop. Hop là, lui. Vous avez botté les forces de l'ordre, nous laissez le droit, donc bon. C'est ça, ouais. Quand on magouille, il faut assumer après. Surtout quand on se fait gouler. Allez, hop. Vous faites ce que vous avez à faire. Oh, t'as une cagoule. Oh, des chargeurs. Quand on magouille, fiston, à un moment donné, eh ben, quand on se fait niquer, eh ben, il faut accepter aussi. Du coup, bah, je les ai trouvés par terre et tout. Ah, non, non. Non, non, bah, si, si. Non, c'est pas vrai, ça. Hop, quand je touche pas. La police, vous dites une malhonnête. Il y a des équipements illégaux, là, avant, sur la maison est... Mais c'est grâce à qui que vous avez mes positions? Ah ah, mais qu'est-ce que je viens de te dire? T'es sourd ou t'es aveugle? Je viens de te dire que t'as un traceur GPS depuis le début de soirée au cul. T'es con ou quoi? De rien, tapette, apprenez à conduire. Enfin, bon, volant accident, mais moi je casse pas. D'après toi, pourquoi on a des infos sur toi? Le casino, ça te parle pas? Les scorpions, ça te parle pas? Tout ce que je voulais, c'est ta baraque. Maintenant, je l'ai eu. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux jours. Il y a deux jours que je t'ai dit à la BA, je te retrouverai, on se retrouvera, mais tu sauras pas quand. Ce jour, c'est aujourd'hui. Attends, mais on n'a pas dit on se retrouvera, de toute façon, j'étais à la prison, on avait parlé comme ça, vous avez payé la taxe. Depuis le temps, j'étais viré de toute façon du. Hop. J'étais viré du casino depuis le temps. Donc. Ouais, ouais, bah depuis le temps, hop. Tu bouges pas, tu restes dans le couloir. Bonjour, messieurs. C'est ici qu'on achète les glaces, c'est ça? Ah ouais, Thierry. Oh, je suis pauvre, monsieur. Thierry, t'es pauvre. Merde, c'est con. Pour acheter des véhicules, lui, il est fort. Hein. Non, non, non. C'est qui le propriétaire? C'est le monsieur qui est par terre, là. Monsieur Raphaël, il donne les clés, lui. Ouais. J'ai perdu les clés de chez moi, d'un fois, monsieur. Hein? Je t'ai obligé de changer les clés. Ouais, mais tu sais que c'est illégal. Oh, mon petit, je vais te démenoter, tu vas me donner les clés. Ouais, ouais, tu donnes les clés à tout le monde. Ah oui, et tu donnes les clés à tous ceux qui sont là. Faut pas perdre ses clés alors. Allez, donne les clés, donne les clés, discute pas. Mais sous quel droit par contre? Parler avec les. Discute pas. Oui ou pas? Attends, attends, dès qu'on a les clés. Sur quel droit qu'il me demande? Ouais, c'est ça en fait. La loi de la jungle. Parce que j'ai des outils de crochetage, monsieur. Ouais, sur cette terre, ça a changé la police. Il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui creusent et ceux qui ont une pelle. J'ai trouvé ça, monsieur. Un problème, exactement. Les gars. Vous regardez trop de films. Hein. Les gars, on a un problème. Bon, j'ai de regarder les films. Ah, ah, ah. Ah, voilà. Je vous cache pas, monsieur. Alors, le mec. Voilà, allez, c'est bon, c'est parfait. Vous appelez le ministre. Bon, vous êtes placé en garde à vue. Vous avez le droit de garder de silence. Vous avez le droit à un avocat. Vous avez le droit à manger et à boire pendant votre mesure de garde à vue. Vous êtes à interpellé pour trafic de stupéfiants, bande organisée, détention d'armes, détention de drogue et surtout menace envers le gouverneur et l'état gouvernemental. Menace envers le gouverneur. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Vous ouvrez la décision 3A, s'il vous plaît. Il y a avoir des armes autodéfense. Ouais, il y a pas de défense, monsieur. Quand on a des cagoules et tout ce qu'il y a, on n'a pas de défense. Là. Ah bah j'ai l'air... Est-ce que j'ai l'air agressif? Ouais, ouais. Bah, non, bah non, bah tu peux pas être agressif. Vu qu'on t'a eu. Reste là. Je sors, non? Non, tu sors pas, tu restes dans ta maison. Je peux pas là, monsieur. Ah, allez, c'est parti. Merci. C'est bon. Bon, vous vous occupez toute la maison. J'ai appelé le ministre. Il arrive. Attends, j'ai un problème. Ah, j'ai plus de radio en plus. Toujours pas fou de moi, vous. Si, si. Ah, je peux vous confirmer là. Ça vite, hein. Je peux confirmer que vous avez votre radio, votre téléphone. On remplit les camions, les gars. Enfin, le camion. Je confirme, monsieur. Ok, j'ai aussi des faux papiers dans la maison. C'est mignon. C'est intéressant, ça. Quand je vous l'ai dit que c'était un gros poisson. Putain, ta maison de vapeuse, quoi.
Et l'autre qui me disait qu'il avait même pas de maison. Qui ça, moi? Non, pas toi. Ah. Moi je suis pauvre, moi j'ai pas de baraque, moi. Est-ce qu'on a des ronces, un peu plus de ronces sur lui ou pas? Faut qu'on fasse de l'argent sérieusement. Eh mon petit... Pour les entreprises? Ouais, travaille, je vais te 400 000, non merci monsieur. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? 100 000, mais dans... Tu sais, dans... ce que c'est, monsieur, qu'est-ce que c'est 400 000 une maison? Ça vaut 1 million 2, monsieur. À deux coffres. C'est trop cher. Ça veut dire que quoi? Bah, 3 allers-retours, monsieur, j'ai pas le temps. C'est trop long. Je sais pas du tout. Trop long, mec. Vraiment. Tu crois que là, ça se fait en claquant des doigts? Monsieur, sérieusement. Vous allez être bien payé, vous. Oh, je suis bien payé, moi. Pour ce que vous faites, monsieur. C'est-à-dire que c'est bien payé. Ah non? Ouais, c'est du scorpion. Pas touche à mon employé. Trop tard. Ton employé va en taule. C'est du scorpion, oui. T'as pas fini de toucher à nos employés, là? Bah, quand tes employés magouillent, moi je suis là pour les arrêter. C'est mon employé au casino. Ouais, bah il y sera plus parce que là, il va en taule. Ils sont jolis, ces petites sympas, là. C'est con, les gars, désolé, hein. Bon allez, vous commencez à vider toute la maison, vous prenez des photos de la maison, on va attendre le ministre, et préparez-vous au pire. Ouais. C'est un Airbnb, hein. Ouais, les photos avant de rentrer dans le camion, limite. Eh monsieur, il a loué. Ah bah c'est trop tard, avant il y a... Ah bah c'est pas grave, mettez juste... Donc, n'oubliez pas que c'est un scorpion, les gars, vu les informations qu'on détient. Hein. Donc là, c'est le premier de tout ce qu'on va gauler, hein. Son équipe est au courant, faut qu'on bouge. Ouais, je sais. Sinon l'équipe pourra rien faire. Non, Garty, ça marche pas comme ça en fait. En fait, là, je vais vous donner une leçon d'RP en fait. On a payé en fort. Parce que ça fait 4 jours que vous faites de la merde sur le serveur. Là, je suis en train de vous donner une leçon de morale pour que vous réfléchissiez à ce que vous allez faire. En fait. Et si son équipe intervient, on saura que le casino est complètement occupé jusqu'à là. Pas vite parti, vous en payez, je me suis fait ban une semaine. De quoi? Parce que la secte s'amuse à me troll, du coup c'est moi qui mange. Ah! Je me suis fait pas. Donc... Chien. Non, je vais voir. Pour les scorpions qui sont là, en fait, je vais vous faire une petite leçon de morale. RP, par rapport à ce qui s'est passé depuis les 3 derniers jours. Là, j'utilise les informations que j'ai pour vous faire réfléchir. Faut pas oublier que maintenant, la loi du serveur, c'est plus de gunfight sans raison valable. Donc là, je vais vous apprendre à faire du RP, à vous démerder oralement, verbalement, à vous en tirer tout ça. Là, j'en ai fait tomber un, et encore en faire en tomber d'autres, je vais pas vous dire les noms sur le live, et ça va tomber. Problème aussi de lui, c'est que lui joue double personnage. Il joue effectivement le personnage scorpion là, mais il joue aussi Cordias. Et ça me va pas en fait, tout simplement. Eh oui, carrément. Hein. Qu'est-ce que tu t'es surtout? Comment? Les chargeurs que t'es. Ouais, la gitanerie est jamais finie quoi. Et. Je trouve. Il y a des chargeurs sur le bonhomme là. Bah, il va partir avec monsieur Bounty là. Les chargeurs, il y a même une cagoule et il a même Bounty même. Magnifique. Oh, on est vraiment là, la police. Mais monsieur, je trouvais par terre et je voulais les jeter à la déchetterie. Voilà. Avec un mec qui a pas de maison. On est plus sur une gentille arrestation que dans un plaquage au sol violent. Non, les autres crochetages, je vous cache pas, c'est de ma faute monsieur. Ah bah voilà. Oui, mais la cagoule et les chargeurs, je sais trouver. Ah, c'est bien marrant comme agent de police. C'est bien marrant comme agent de police. Oh, monsieur, des saucisses crochetages, tout le monde a des saucisses crochetages. Le suspect est appréhendé. Il arrive le ministre ou pas, là? Mais dans la vidéo, il prend un coup de crosse, hein, donc... Est-ce que le ministre arrive? Je peux pas me permettre, hein, quand même, j'ai du respect. Ah, c'est lui là-bas, le ministre? Voilà, c'est ça. C'est lui là-bas le ministre. Je préfère qu'on les interpelle avec un donut tourne-toi. J'espère qu'il a ramené quelques boissons. J'espère que c'est le ministre et pas vos collègues, parce que si c'est vos collègues, malheureusement... Mettez-vous en position, Théo, quand même.
Monte avec moi. Vite en position, messieurs. Allez, ouais, go. Allez, couchez-vous au sol, vous. Couchez-vous au sol. Les deux. Les gars, tous en gilet, tout ça, on sait jamais. On les embarquerait pas, hein, vite fait. On... Ouvre-moi la bagnole. On est placé de équipe Curly. Ça va bien se passer. Quelqu'un appelle du renfort pour avoir des yeux tiens sur le côté là, si jamais il y a le mec. Parce que là, ils sont tous très. Je crois qu'il y a un homme armé là-bas. C'est rare pour toutes les unités. Je te suis. Arrêtez de bouger les deux. Je me mets derrière le buisson, juste de couper les mains parce que je crois que là-bas il y a un mec, je rigole pas. Bah dans le caillou là. Tu bouges pas. Monsieur, protégez-nous s'il vous plaît. Ça tire à la. Ça va tirer à la MX hein. Aïe. Ouais, regarde où ils sont. Allez, vous m'appelez tous les renforts disponibles. Oh putain. Tout ça est pour rien. Car rappelez le mec pour une maison, il y a des mecs en vain qui sont en train de se faire braquer, qui sont en train de se faire. Ouais, c'est ça. Hey, le truand, il pourra parler en tôle. On prend nos dispositions, tu vois. C'est minable. Ouais, c'est minable, j'ai trafic côté. C'est minable. On est juste à la plage, c'est quoi le délire. Ouais, ça fait toujours du bien d'avoir. Ouais, on sait que t'as la haine parce qu'on t'a chopé, c'est bon. Tu vas faire débarquer la cavalerie pour rien. Alors, tais-toi alors, t'as rien à voir. C'est une perquisition, c'est pas rien. En tout cas, j'espère que je vais avoir ma voiture, monsieur. Sinon, je pars. Le ministre, il arrive ou quoi? Ouais. On n'est pas aux États-Unis. Il arrive. Scos. D'abord, on est où alors? J'aimerais bien aller voir les lois, moi. Lois? Y'a rien qui interdit d'avoir une arme. Hein. Le VL noir, la cave, il est passé où? Oh, rien qui interdit d'avoir une arme. C'est quoi la merde? Non, mais il est mignon, lui. C'est nous, avec Bibi, on a bougé sur le colis. De police, hein. Ouais, sauf que non, moi, il y avait une Merco noir civile là, hein, qui est passé. De toute façon, on est clean, on s'en bat les couilles. Je dirige direction à l'est. Ah bah, à part mes armes, je vois pas ce que. Ah ouais, c'est mieux. Ouais, pff, t'inquiète pas, t'es pas obligé de le dire, on l'a déjà tout, t'inquiète pas. Bon, petit scorpion. Petit scorpion, 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 scorpion. C'est ça le prendre des gens. C'est... Ouais, c'est... tu leur diras d'arrêter de prendre en otage. Il me semblait que un scorpion, normalement, ça pique. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi doux qu'un agneau? C'est quoi ces scorpions? Non, je suis caché sur le sable, les scorpions. Je me suis pas. Vous pouvez me démenoter pour que je bois parce que je vais mourir vraiment. Oh, quel dommage. Je suis raté là. Ah bah après, bon. Non, bah... non, attendez, monsieur, si vous allez pouvoir rien dire. Vous savez mieux que moi. Vous pouvez me démenoter pour que je bois. En fait, juste pour des trousses, flics par exemple. Ouais, bah c'est exactement ça en fait. C'est que ça que vous avez pas. Ah, sauf que ce n'était pas sanctionné. Hein. Quoi? Ah oui. Non, mais vous allez voir, vous allez comprendre que en fait. Jean-Eude. Juste une notion de raison valable m'échappe un peu. En fait, raison valable, ça veut dire que si tu gunfight avec la police pour une trousse, par exemple, je te sanctionne. Tu gunfight parce que le mec a le même masque que toi, je te sanctionne. Si tu prends un otage juste pour une arme, je te sanctionne. Si ça suit pas la logique RP. Là, par exemple, le gars là, il joue deux personnages. Bah, ça va pas en fait. Soit tu joues l'avocat, soit tu joues le bordel. Quoi. Mais tu joues pas les plusieurs rôles. Après, les flics c'est pareil. Si les flics engagent le fight, c'est averto, sanction. Voilà, maintenant on va en arriver là. Je vais vous amener tout petit à petit. Je vais vous emmener vers le Sirius RP qui va arriver à la mise à jour, tout simplement. Donc tu vois, la réaction de Pouty par exemple ici, elle est zéro. Parce que le mec, on a des informations sur lui. Il est employé du casino. On sait qu'il fait de l'illégal. On attendait juste sa maison. Et on lui a mis un traceur, GPS en début de soirée. On a eu sa maison, voilà, on l'a baisé. Il joue Scorpion et Casino sur Raffaello pour. Non mais c'est bien Cordias aussi. Il joue bien Cordias. Ce mec, c'est pas Claude Cordias. Ah, c'est pas lui Claude Cordias. Ah, je crois que c'était Claude Cordias. Bon bref, c'est pas grave. Je me suis peut-être bourré le mec. Ouais bon, bah, c'est pas grave. En soi, ça fait un moment qu'on le suit par rapport au Casino. Et on savait qu'il était scorpion,
On savait qu'il était employé Casino et Scorpion, au vu des éléments qu'on avait. Et moi, je voulais sa maison. Donc en fait, quand on l'a croisé à Tira, j'ai identifié son véhicule, comme vous pouvez le voir sur le live, et j'ai demandé à ce qu'on place un traceur GPS, parce que je savais qu'elle allait forcément retourner à Négalès à un moment donné. Donc c'est ce que je voulais. Et en plus de ça, il était convoqué à la fermeture du casino par le ministre, et ils ont négocié, et moi j'ai fait tomber la négociation par cette action. RP. Quoi, non. Mais on lance pas juste pour ça, le truc qui est chiant aussi, c'est qu'on a gunfight contre les flics la dernière fois. Oui, bah voilà, vous avez gunfighté contre les flics parce qu'ils ont embarqué vos collègues. C'est ça le problème. J'étais pas la vôtre en fait. Parce que j'ai pas envie qu'on me la pique, monsieur. Bah non, c'est logique. En fait, quand tu gunfight contre la police, faut pas estimer que après, bah plus rien ne se passe. En fait. Parce que c'est pas parce qu'il y a plus de, de flics sur le serveur où vous les avez tous tués qu'il n'y a pas de suite à ce qui s'est passé. En fait, il y aura une continuité de vos actions. Si vous prenez des flics en otage, bah, vous serez connu comme, comme preneur d'otage de la police. Si vous tuez des flics, bah, comme tueur de flics, donc tout votre RP doit être réfléchi et faire attention à ce que vous faites. Tout simplement. Ah non, mais c'était pas comme ça avant. Ça va être comme ça maintenant. Avant, c'était pas comme ça. Regarde, par exemple, je vais vous montrer, la carte, si j'y arrive. Alors, le BM bleu, c'est le véhicule d'un des deux mecs, là, et là, si j'y arrive. Non, j'arrive pas à vous montrer la carte. Par exemple, moi, j'ai demandé à ce que la police n'ait plus les points illégaux. Voilà, c'est terminé. Plus de points illégaux pour la police. On les demande plus, on les cherche plus. Parce que j'estime que c'est à nous de les chercher ou de contrôler les gens au niveau RP. Voilà. Donc les policiers n'ont plus les points illégaux. Et ne devront plus chercher les points illégaux. Tout simplement. Ça a été le but de la réunion de ce soir que j'ai eu avec la police. Le GAG va revenir si ça change comme ça. Le GAG. Ah, le GAG. Intéressant. Ouais, voilà. Donc en fait, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va aussi bien dans le sens police que ça va dans le sens rebelle et bandit. Hein. Donc, il faut savoir qu'à la mise à jour, comme j'ai dit, si vous gunfightez et vous êtes mort le lundi, si mardi vous regunfightez, vous partez la moitié de votre compte en banque. Et si vous regunfightez dans les 24 heures, vous avez une mort RP. Zéro. Plus de personnage, plus de pognon, plus rien. Ça va être chaud, les gars. J'ai un téléphone dans les dents, c'est rare, j'ai oublié. Si on essaie de plus être gentil avec vous en réanimant vos collègues et ce n'est pas mentionné dans nos casiers, ça. Ben non, ben, ça va pas être mentionné dans vos casiers, magicien. Réfléchis. Tu tires sur des policiers, tu les réanimes. Ok, pas de soucis, tu les réanimes, mais tu tires sur des policiers. Tiens, tout à l'heure, tu vas sortir dans la rue de chez toi et tu vas prendre un pistolet et tu vas tirer sur des gens. Mais tu vas les réanimer, tu vas les soigner. Est-ce que tu auras des poursuites ou pas? Ah oui? Ah voilà, dans le jeu, c'est pareil. Et en fait, ce que je ne veux plus voir aussi, c'est des réactions comme Poutine, en fait. Ces réactions-là, je les aime pas non plus. Vous savez tous les mêmes de... Tous des couleurs différentes, excusez-moi. Ouais, mais gars, mais c'est le chat du stream de Spring. Si tu as un problème avec ça, bien, je t'invite à aller voir. Ah, c'est bien, Trifou, merci. Alors, imagine une situation, un flic tatane un de chez nous devant nos yeux. On veut le libérer, donc on tire. Pas bien ? Eh ben, pas bien. Bah, tu réfléchis à ce que tu vas faire. Alors, soit tu veux libérer ton collègue et derrière ton RP il est mort. Donc, tu auras les flics au cul tout le temps, il n'y aura plus de négociation. Parce que tu seras des ennemis publics, donc on va vous chercher, on va vous mettre en prison, on va vous défoncer, on va vous vider les comptes. Ou soit tu laisses ton collègue, il perd 1,5 million et vous arrangez pour farmer pour le rembourser et tu restes discret sur ta famille. Réfléchis. Ce genre d'agression. Tu vas la fermer. Ah bah bien sûr. Bien sûr qu'on peut en parler après. Bien sûr les gars. Mais de toute façon, vous avez des référents bandits les gars.
vous avez des référents dans le staff. Moi, par exemple, je m'occupe des rebelles. Mike, il s'occupe des bandits. Joe, il s'occupe des policiers. Voilà, vous avez des référents. C'est ça, nos petits i à côté de nos pistolets. Hein. C'est ça, les référents. Donc, moi, les rebelles, ils sont tous au courant. Moi, tous les rebelles me font une histoire RP complètement nouvelle. D'où que la Rampage a fermé et une nouvelle famille est apparue. En fait, moi, je veux créer quelque chose en interaction avec des civils, comme vous avez créé les scorpions avec le casino. Mais vous l'avez mal joué à la fin. Surtout ces derniers jours, vous l'avez très mal joué avec les gunfights et les PO. C'était bien parti, mais ça a mal fini. Enfin, voilà, c'est pas grave en soi. Et créer des interactions avec les civils en créant quelque chose, en jouant avec eux, avec les civils, l'entreprise. Tiens, je vais prendre le GSR par exemple. Ils ont créé une entreprise de savon. Donc, ils demandent aux civils de farmer une ressource légale, qui est le phosphore et la soude, qui est légale. Et eux, ils la rachètent. Mais derrière, ils disent qu'ils font du savon, mais alors ils font de la mettre. Alors, à eux, après, de se démerder pour la vendre. C'est pas un problème. Mais ils font travailler des civils et ils commencent à bien mettre leur truc en place. C'est comme vous, le casino, vous avez créé un truc qui est super sympa. Vous avez employé vos bandits dans cette entreprise. Le problème, c'est qu'il y en a, comme Punti par exemple, et qui ont fait de la merde en fait, parce qu'ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de leurs actions passées en fait. À la BA, quand il a été interpellé à la fermeture du commissariat, il savait qui on était, je savais qui il était. On s'est renseigné sur lui, on avait déjà quelques informations sur lui. On savait qu'il était scorpion, on savait qu'il faisait des choses illégales et on savait qu'il faisait partie de la PO et des gunfights. Donc du coup, j'ai dit, quand je veux... Et tout à l'heure, à Tira, il a sorti un sac à dos avec une arme. Donc je savais qu'il était armé, qu'il avait un sac à dos dans sa voiture. Donc j'ai demandé à mettre un traceur GPS parce que je voulais sa maison pour lui donner une leçon, en fait. Une petite leçon de staff, entre guillemets, c'est pour ça que ça en arrive là. Petite leçon de staff en disant... Réfléchis à tes actions parce qu'elle peut causer ta perte. Et là, c'est un bon message que je lui envoie. Parce qu'en fait, compte, il n'est pas content du tout. Bah oui, mais il n'a pas réfléchi à ses actions en fait. C'est vrai, vraiment intéressant. Plus qu'à espérer que tout le monde le respecte. Mais de toute façon, si tout le monde ne le respecte pas, ça va être sanction. Voilà. Si tout le monde ne respecte pas ces règles-là, ça va être sanction. Dans tous les cas. C'est dommage. Hein. Au début, il y a des sanctions qui vont tomber. Jusqu'à ce que les gens comprennent. Il y a beaucoup de gens qui vont tout perdre jusqu'à ce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et une fois que c'est assimilé, bah ça va aller mieux. Là, par exemple, Conti n'aurait pas dû perdre tout ce qu'il a là-dedans. Donc là, les faux papiers. Excuse-moi du retard. Les faux papiers et les armements. S'il l'aurait mieux joué il y a 4 jours. En gros. D'accord. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour monsieur le ministre. Salut. Bon, pour information, monsieur en costard noir, monsieur Punti de l'organisation des scorpions et employé du casino. Hop, tu commences pas Punti. Ensuite, comme vous le savez, monsieur Punti a été placé en garde à vue à la fermeture du casino suite à une demande du gouvernement. Et oui, que il m'a rouvert aujourd'hui. Tout à fait. Et lors de sa présentation à la BA, il m'a un petit peu menacé à l'époque. Donc je lui ai dit qu'on allait se revoir dans des conditions autres, qui est le cas aujourd'hui. Donc on l'a contrôlé, il était à Atira, nous avons posé un traceur GPS sur sa voiture qui nous a emmené directement chez lui. Où chez lui, il a des faux papiers, de l'armement lourd, sans autorisation naturellement. D'accord. Est-ce voilà. Que tu as les clés pour que je regarde si bien sûr. Regardez, monsieur le ministre, je vous ouvre le camion avec tout ce qu'il y a dedans. Ah, avec grand plaisir. On va quand même revoir pour les menaces, monsieur. Papa. Oh oui. Parce que les. Derrière. Bon, je n'ai pas le droit à la parole. Non, je peux rien voir. Ah bon, j'ai pas. J'ai bel armement. Vous avez vraiment déployé une armée pour nous, par contre. Non, pas pour vous. Ah oui, maintenant j'ai l'armement. On a déployé l'armée pour le ministre et notre sécurité. Hop là! Vous pouvez vachement tirer dessus. Merci. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans ce stockage? Alors, si vous pensez que vous êtes important, sachez un détail, le ministre est beaucoup plus important que vous. Ça, j'aurais pas négligé ça par contre. Voilà. Encore heureux qu'il soit plus important. Non, t'inquiète pas, Punti, t'es pas intéressant en fait, un petit pion. Ah bah, je te rassure, c'est juste. Tu veux que je te dise la vérité? On est tous le pion de quelqu'un. Tu sais ce que. Tu veux que je te dise la vérité? Vas-y. T'es,
T'es juste un avertissement pour c'est les bon autres en fait. Ah ouais. N'oublie pas qu'on est tous le pion de quelqu'un. Merci. Toi-même t'es une marionnette. Hein. Mais c'est, ce que t'as pas compris, c'est que moi je suis le pion de personne. Ah si si. C'est pas eux. Non. Du ministre actuellement. Avec aux ordres. En plus, insulte, oula. Bon, pas, ça pas bon, je vous ai donné les clés, hop, tenez. Oui, l'insulte, la pomme. Allez, alors, petite crosse, là. Je rate du ouais, lapin grillé, pioche. Ils sont où les trucs, les faux papiers? Bah, là, on est dans le coffre, là. Appuie sur T. Ouais. Appuie sur T, faux papier. Ouais, mais je vois rien. Si, si, là, viens, reviens, Ryan. Au plafond, là. Outil. Ouais, j'ai outil de crossage, mais j'ai pas de faux papier. Ah bah, moi, je les ai, là. Ah bon? Non, moi je vois rien personnellement, je vois rien t'aider. Ah bon bah. Bah si, il y a les faux papiers. Bon, voilà. Bah tu les saisis. Ouais, vous faites une photo les gars. Nick Nick, tu fais une photo. Par contre, Dédé, ça nous en profite. Tu les gardes, les faux papiers. C'est. Ça va nous éviter de. Ah oui, oui. C'est quoi. J'ai pas compris. Tu gardes les faux papiers. Rentre, Dédé, prends la photo. Attends, attends. Je mets juste c'est une deux caisses à la maison. C'est seulement des boxes. De... Oh, ça déconne, ça déconne, ça déconne, ça revient. C'est... Désolé. Bon, moi je me permets, je pique. Ouais. Ah, par contre, bon, en fait, si tu préfères, j'envoie également un message à la Scorpion. Mmh. C'est pour ça que j'ai mais agi comme ça avec lui. Oui, tu fais comme tu penses. De toute façon, sur ça, je t'ai toujours laissé la voie libre. Parce oui, je sais bien. De le faire à ta manière. Et moi, ça me dérange pas du tout. Non, ok. Ouais, votre propriété. Dans ce cas, vous n'y pas un combien qu'on l'a reçu. De toute façon, ma propriété, c'est mon Airbnb. Quoi. C'est là où j'ai. Oui, votre. C'est un Airbnb, monsieur. Arrête là, vous voyez ça avec le propriétaire. Airbnb. Ah non, non, juste mon Airbnb. Ah merde, faux papier, non, c'est les miens en fait. On n'est pas au quartier, monsieur. C'est qui ça? C'est ma PM. C'est bon, c'est fini? Allez, vous embarquez ça, direction la BR. Vous faites le rapport de perquisition et tout ça. Et lui, naturellement... Ah bah tiens, il a des chargeurs aussi, lui. Oui. Tiens. Ah bah vous l'amenez aussi. Hop. Est-ce que Pontis me gêne un peu que tu fasses la sortir? Ah merde. Il va sans me faire manger le sable. Je mange le sable là. Et oubliez pas BM. J'en vais quoi? Oh putain! Pourquoi ça bug là? Pourquoi je bug là? Pas de place dans la voiture là. Non, non, pas dans ma bagnole, je vais pas les voir. Pas dans ma bagnole. Ok, 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 ok. Faut les prendre en charge, ça me dérange pas. Ok, ok, sors Nick, Nick, sors les. Oh, je transpire. Sérieux? Mais non. Ah si, ouais, je transpire. Alors, après, bon, maintenant on a le temps d'en parler, les gars. Après, je donne juste mon avis, mais plein de teams avaient pour but un vrai RP, mais étant toujours bloqué à cause justement des gunfights faciles. Donc il ne faut pas trop blâmer les teams rebelles bandits. Alors je blâme pas du tout les teams rebelles bandits. J'ai été rebelle avant beaucoup de monde sur ce serveur et je pense que j'étais même un des premiers. J'ai même moi-même. Je suis là. Attends, ben vas-y, je monte avec toi si tu veux. Tu viens avec moi? Ouais. Bien avec, c'est qui lui? C'est le petit poney. Ah non, oh non, 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 bah non, non. Ah si, ouais, allez, vas-y. Allez, hop, vas-y. Ouais, ouais. Oh, parce que c'est vous, les gars. Voilà. Ah ouais. Bon. On va avec la police. Dédé, ils emmènent où le camion? Parce que je sais pas. À la BA. D'accord, BA, aéroport. BA, aéroport. Dédé, c'est ça votre petit nom? Ouais. Putain que je vous vois, j'ai jamais vu ce vêtement. Ouais. T'es vrai? Ouais, ouais. T'as jamais entendu parler de Dédé? Ah, jamais, non. Ah, ouais. Pourtant, ça fait un moment que je te suis, mon petit Bounty.
Tu vois, c'est ça l'avantage. Bon, bah... c'est ça la différence entre toi et moi. C'est que toi, tu sais pas qui je suis, mais moi, je sais qui t'es, tu vois. Ça s'appelle la discrétion. La preuve, c'est que j'ai réussi à être discret. Bon, mon petit Punti, tu sais que je suis client de casino. Ah, je sais pas, je ne travaille plus au casino. Mais ouais, mais non. Mais, tu vas pas me la faire. T'as été employé quand même. T'as été employé, tu fais toujours. Et ouais, et t'es toujours un homme de main de la Scorpion. Écoute. Ah, pas du tout, non. Ouais, ben moi, tu joues pas à l'envers, parce que je te le dis clairement, je joue pas avec ta vie. Ah, là, je ne joue pas avec ma vie. Non, mais je le dis clairement. Tu prends pas de risque, c'est tout. Quoi le poteau là. Puis bravo, ça pas. Ça, le poteau là. Il y a Dédé dans la boîte à gants là, juste que t'as en face derrière mon siège. T'as un chouette truc si tu veux. C'est vrai? Ouais. Ah la vache, ouais! Ah, mais ça fait mal ça. C'est quoi qu'il y a? Ah, c'était mon sabre. C'est pour couper les orteils et plus y a affinité. Ouais. La police coupe les orteils maintenant. Bah, la police? Qui te dit que je suis policier en vrai? Ah bah, je suis dans un truc de Marshall. Il y a 40 000 policiers qui sont venus à perquer ma maison. Je pense que si vous êtes pas de la police, c'est y a un problème. Bah, y a un problème alors. Tiens, tu connais le Harakiri? Ah oui, je connais, oui. Ouais, c'est ma technique favorite. Ah bah ouais, mais Harakiri c'est... Vous tuez vous-même donc... C'est pas ouf. Je connais pas merguez. Il y a un mec qui m'a dit barbecue, mais alors merguez par contre. Ouais. Bah, non, c'est chipo, je crois. C'est chipo. Ah, je sais pas. Plus les scorpions qui viennent en tenue noire et toutes les familles rebelles de cette putain d'île qui vient comme client, vite fait, au casino. Et ça, tout ça, on s'en fout. Et après, tes petits copains scorpions qui osent prendre des policiers en otage. Pas bien tout ça, mon petit Ponty. Donc tu sais ce que tu vas faire là? Tu vas faire l'exemple pour la Scorpion. Tu vas servir d'exemple. Comme ça va me permettre à travers toi de leur envoyer un petit message. C'est-à-dire ça va être que l'exemple. Tu comprendras. Les suites. Tu les verras. Okay. Tu les connaîtras. Ok? Et tu sais, quand t'as été arrêté à la fermeture du casino, quand tu étais attaché dans un bureau. Pas quelqu'un qui t'a dit on se reverra très vite, mais dans un autre contexte. Les menaces n'ont pas été dites par moi donc. T'es avec. Il va falloir se rappeler bien. Il va bien falloir se rappeler. Hein. Non. On peut pas confondre qui vous a dit les menaces par contre. Ouais, t'étais avec donc pour moi c'est pareil. Ah non, c'est pas moi qui ai parlé. Bref, écoute-moi, petit bandit. Un jour, tu seras peut-être plus intelligent que moi ou pas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Non. Mais c'est juste la vérité, c'est que en 2 semaines, mais bon, allez, en 10 jours, t'as jamais su qui j'étais et moi je sais tout de toi. Le seul truc qui manquait c'était... Bah ouais, il manquait plus juste ta maison et tu m'y as emmené tout droit. Et ça me fait plaisir, merci à toi. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est même pas sa maison. Non, c'est pour ça que le titre de propriétaire a son nom. Oui, Airbnb. Ouais. Merci. Christophe, il s'appelle Christophe là. Ouais, c'est ça. Et l'armée n'a pas d'armes, mais... Ouais, c'est ça. Pas de soucis. En tout cas, j'espère que vous avez parié ma BM, parce que moi j'y tiens plus que toi. Ouais, mais ta BM, t'inquiète pas, t'as plus de BM à partir d'aujourd'hui. Hein. Elle est partie. Bah, elle est partie, elle a cramé, elle a été volée. Je sais pas par qui. Oh monsieur, non, je vais pleurer. Bah pleure. Je peux pleurer. T'as plus de BM, mec. Désolé. Putain, la conduite. Putain. Quand je reçois des messages, j'ai envie de tourner. Ouais, mais le téléphone au volant, monsieur. Donc voilà, les gars, faut toujours réfléchir à ses actes. Chaque conséquence a forcément une réponse. Tiens, j'ai toujours voulu faire un massacre à la tronçonneuse. Et Dédé, c'était quoi ton plus grand délire? Mon plus grand délire? Dans les règles? Dans les rêves. En rêve? Bah, c'était des... Je voulais être dans un casino entouré de pin-up, avec un gros cigare en bouche, et tous les chefs rebelles et bandits en face de moi, et je les dépumais tous de leur pognon de drogue.
Et quand ils n'avaient plus rien, j'avais dans mon rêve, ils me regardaient tous, ils me disent Dédé, donne-nous de l'argent. Tu vois. Voilà, c'était ça mon plus grand rêve. C'est triste qu'on en finisse là quand même. Bah c'est dommage que c'est la fin de ton histoire en fait. C'est vrai. Ton histoire s'arrête comme ça. Ah bah je crois que la condamnation à mort n'existe plus. Hein. Je te parle. Si. Est-ce que je te parle de la condamnation à mort là? Est-ce que pourquoi vous avez un problème avec la mort? Tu peux le savoir ou pas? Bah, parce que tous les rebelles, tous les bandits me parlent toujours de mort. Je comprends pas pourquoi. Parler quand même de fin de mon histoire maintenant. Bah voilà. Tu vas aller en taule pour beaucoup de choses, c'est tout. Voilà. C'est la fin de ton histoire. Peut-être, c'est pas moi qui juge, je suis pas juge moi. Bah je sais pas, vous avez fait beaucoup de choses, hein, PAC, policier, intervention dans les maisons. Bah c'est mon boulot ça, fiston. Moi c'est rechercher, investiguer et détruire. C'est ce que j'ai fait. Je me suis infiltré, bah vas-y, dégueule dans ma voiture, t'as raison. On va à la BA. J'ai les hauteurs, désolé. Ouais, bah, arrive à la BA, je vais te mettre au bouchon où tu sais. Parce qu'on est lent. Toi, mon but, mon métier à moi, c'est infiltrer, ce que j'ai fait, rechercher, ce que j'ai fait, ouais. Trouver, c'est ce que j'ai fait, ouais. Et anéantir, c'est ce que j'ai fait. Vous savez cuisiner, ouais. Aussi. Je sais cuisiner aussi. Hein. Tu veux que je te fasse un petit repas? Ouais, en prison, bah vous me le faites. Ouais, j'ai pas besoin de la prison. Peut-être sur le transfert, je t'apprendrai à cuisiner. Ouais, ça marche. Et, ou même tout à l'heure. Mais non, mais c'est trop tard. J'aurais dû te cuisiner un truc avant. C'est vrai, il aurait fallu. Ouais, mais je l'ai pas fait, parce que je te laisse ta petite chance de me retrouver. C'est dommage. Ah, retrouver. J'ai pas compris pourquoi je vais retrouver. Hein. Avec tes petits copains en pantalon beige et en veste noire. Bon, allez! Alors, ça par contre. Salut, fiston! Et Kunti, tu passeras le bonjour, ouais. à Papy Monique en prison. Ou à Johan Sabastalo, ouais. Ok? Ça bon, marche. Allez, à plus, Kunti. Ouais, ça marche, Dédé. Allez. Alors, je suis à vous. Bah sinon, je coupe des pouces avec le sabre. C'est moi, ma gueule, hein. Oui. Alors vous voyez, encore, la façon qu'il joue, donc je vais bien lancer un message, je joue pas avec ta vie, je ferais mieux de parler, j'ai rien à dire. Voilà, je joue pas avec ta vie, il faut parler, j'ai rien à dire. Donc ça veut dire que je peux le crever, il va pas parler en fait. Voilà, encore une fois, je vais pas le crever parce que ça sert à rien en fait. D'habitude, avant, je crevais quand ça voulait pas parler. Mais là, ne crève pas, je me suis mis. Ça, par contre, les gars, c'est pareil, c'est sanctionnable. Voilà. Ça va être sanctionné, ça aussi. Bah, allez, Syrah, on se casse, vous faites les papiers et on se barre. Non. Toi c'est pas le bon casque que t'as, du coup je te le dis au cas où. Ouais, c'est mon casque. Donne-moi mon casque. Le lieutenant il me donne-moi mon casque. Respect mon colonel. Salut. Donne-moi mon casque. Respect mon colonel, pardon. Donne-moi mon casque. Bonsoir. Yo, j'ai ta casquette d'ailleurs, tu l'as oublié par terre tout à l'heure. Y'a un qui a mon casque là ou comment ça se passe? Yo. Tu m'entends ou pas là? Ta casquette. Ah non, merde, personne m'entend, putain. Allô? On vous entend pas, mon colonel. T'as mon casque là? C'est bon, on entend, monsieur. Pardon, mon colonel. T'as mon casque, là? Casque, mon colonel. Ouais, mon casque, quoi. T'as bien compris, mon casque. Un casque pour vous, mon colonel, si vous voulez. Dé, regardez. Bah, t'es encore là, toi? Ah, enfin, qui comprend quelque chose. Les gars, j'ai cru comprendre un truc, les gars. Quoi? Moi, j'ai cru en temps un grade. Quoi? C'est rare, officiellement, on avait pas de grade, normalement. Bah ouais, mais c'est leur chef de section, il est nul à chier. La gueule.
Attends. Question. Ouais. Je comprends que vous avez des faux papiers sur vous. Moi, j'ai des faux papiers. Ouais. Moi, non. Pourquoi? C'est juste pour vous dire que c'est inutile sinon en fait. Avec la licence, s'il faut, on a une licence, on peut avoir des faux papiers aussi. Mais je fais ce que je veux en fait. Mais c'était pour en cas où, pour vous faciliter la vie. Hein. Non, mais je sais bien. Ah d'accord, ok, ça marche. Pas, mais par contre, pour information, vous en avez pas. Ça sert pas, mais on les a en accès, moi. Non, mais je vais les enlever. De toute façon, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux, toi? T'es en train de me toucher les tétons, quoi? On touche les pecs. Ouais, bien la couleur du pays. Ça te démange. Je pensais que t'allais aimer. Ouais, bah vas-y. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Penchez-vous un peu en avant. Ouais, bougez pas. Pip. C'est bon? Vous êtes content? Et vous êtes tous sanctionnés. Vous avez 2 jours. Si. J'ai pas eu ma sauce. Vous êtes tous des grades. J'ai pas eu ma sauce, Dédé. Non, tu vas tablette par là. Ils vont, là. Et t'enlèves les petits, oui. Tout de tu enlèves toutes les coches. En combien? T'es en combien? Yo-yo. Yo-yo, je peux te faire. Sérieusement. Personne ne touche. Oh. Allez, yo-yo. Oh merde! C'est pas ça que je voulais. J'aime bien tes petits collants, yo-yo. Mais là, yo-yo, tes petits collants. T'as été sur la tablette? Oh, je vois ta culotte, yo-yo. Oh, ta culotte. Ah ouais, je Yo, je fais ta culotte. Hein? Dans ta voiture. Elle est où la voiture? Elle est où la Audi bleue? Combien de ta culotte, yo? Putain. Elle est où la Audi bleue? Bon, bah, mettez-vous les armes dans le coffre, tout ça. Il n'y a plus cette sécu donc. Oui? On a une question piège de méga. Oh putain. Tenue d'origine. Hein. Le fait que. Avec une arme sur le dos là. Bah, tu vois, au lieu d'avoir les armes. C'est que. Quoi? Ça va pas être sanctionné? Non, c'est déjà sanctionnable. Ah, merde. Yarty TV Show, tu l'as pas menacé de mort non plus. En vrai, après, n'est-ce pas, bien RP, de préférer payer plutôt que de donner des infos. J'ai acheté ma nouvelle arme bisounours. Ouais. Mais après, si personne ne parle, comment tu vas faire avancer le bordel en fait? Ouais, après ça se discute. Ouais, ça se discute. C'est sûr que ça se discute. Ouais, ça se discute. Se discute. Younger. Tu vois comme ça? Pas d'idée. Ouais. Pour les médecins de combat, du coup, ça se passe comment chez vous maintenant? Parce que Steelers m'a vite fait expliquer, mais. Je vais voir ça quand même avec toi, peut-être. Je sais pas. Quoi? Du coup, avant, tu m'avais dit que c'était 3 médecins de combat dans ton unité. Maintenant, en fait, c'est un autre système, de ce que j'ai compris. Ah bon, c'est un autre système de quoi? En gros, c'est ce qu'il me disait, t'as un système de médecins actifs, médecins inactifs, on va dire. Donc, il peut y avoir plusieurs qui ont leur licence, mais seulement quelques-uns qui l'utilisent. Non. J'ai jamais dit ça, moi. En gros, là, tu vois, par exemple, là, Nick devait choisir entre TE et médecin. Ah oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, mais du coup, là. Il y a que moi qui ai les deux. Mais si je choisis TE, du coup, c'est-à-dire qu'il t'a format ou il la garde et il a le droit d'utiliser que quand tu lui redonnes? Ouais, du coup, s'il te plaît, vas-y. Non, il la garde, mais il n'utilisera pas la fonction médic. Ouais, donc il n'a pas le droit d'utiliser le stuff médical? Non. Ok, mais ouais, ok. Bah, c'est logique. Mais du coup, sur les docs, je marque quand même sa formation, mais que. Formé, mais tu l'actives pas. Il est formé, mais okay. Tu l'actives pas. Ok, ok. Et sur la licence, faut lui enlever la licence, mais il est formé.
Ouais, voilà, c'est ça que j'ai justement que j'ai demandé. Ouais. J'ai demandé si il y a que moi qui il y a que voilà, il y a que moi qui ai les deux en fait. OK, mais c'est bien ce que j'ai, c'est bien ce que j'avais en gros, ça son diplôme est remis en attente quoi. Exactement. Ah, monsieur, au plaisir de mettre. Ah, du coup, bah, tu reverras avec Steve parce que j'avais besoin de ton accord attendez. Pour ça. Ouais, ouais, t'inquiète pas, je vais lui enlever. J'ai marqué dans passage de grade la possibilité de retirer la licence au final à l'ITNIC. Il m'a dit non, c'est pas à toi de voir ça. Donc, je laisse ça dessus. Ouais, ouais, t'inquiète. Bah, dès que t'as retiré la licence, tu me dis comme ça, j'actualise sur le site, je marque sa licence et son diplôme est remis en attente. Ok, ça marche. Bah, comme ça, je retire. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Pas de soucis, t'inquiète. Nickel, merci, tu me préviens. Par contre, Rio, tu peux le virer. Hein. Ça Pepito Rio. Et je l'ai pas, hein. Il est médecin. Non, il est en haut là, tu peux le virer. Ah ouais. C'est pas à moi de faire ça. Ciao. Ouais. Salut. Bonne soirée. Tu t'en vas? Ouais, je m'en vais. Bonne journée. Bonne soirée, pas de 10h, monsieur. Bon allez. Je suis viré. T'es viré. Sauf si tu chantes une chanson ou tu fais le cri de Tarzan. On m'a dit que j'étais viré. Ouais. Merci, Justin. Il faut un poil. Ah, c'était blague, c'était blague. Allez. Quoi? Ouais, ça va, ça va. Tranquillement. Il y avait qui sur la partie? C'est ça. Monsieur le ministre, vous récupérez l'armement? Non, c'est super, venez au mur. Ok, je prends la stunner. Allez, cette fois. Je vais prendre la stunner. Je suis une recrue. Il y en a un qui est blasé là. Équipe-moi les gueules, comment ça, monsieur? Dédé! Je l'ai trouvé, ouais. Je l'ai dit en plus, c'est pas du. C'est vrai en plus, monsieur, faites-moi confiance. Dédé! Oh. Voilà, il m'appelle. C'est moi. C'est ça? Ça va. Je vais chanter une musique et est-ce que vous pouvez remettre mon stuff? Pardon. D'accord. Est-ce que vous pouvez remettre mon stuff si je chante une musique? Ah, t'as pas voulu tout à l'heure, c'est pas trop tard? Si, j'ai envie. Non, trop tard. Libéré. Plus fort. Délivré. Ouais. Après. Ne mentirai plus jamais. Je m'y suis. Après, je sais plus. Merci Dédé. Ouais, c'est ça. Merci. Mais, ouais, j'avais pas tout ça, mais bon. Ta gueule. Bah, théoriquement, ça devrait pas poser de problème parce que. Tu fais quoi là? Nick. Ouais, c'est pas en guitare, un décret, je suis pour ça, je pars ça. Tu peux faire un décret pour que je puisse garder ma batte? Tu m'as tout à droite, ça c'est très bien. Tu me le fais en double exemplaire et on regarde. Tu m'as tout à droite. Bon, c'est bon là en fait, c'est géré ou pas? Ouais, ouais, c'est bon, il m'enverra son rapport et je mettrai tout ça en. Au fait, ton problème de. En colline, vas-y, colle-toi près de Boneless, ça se dégage. Oh le pof. Tiens, Gaëtan. Oui. C'est Douglas. Oui. Bon, ça va être compliqué hein, parce que le temps que les mecs ils comprennent, machin. Le pourquoi, du comment, machin. Ça va être, je pense que je vais faire des grosses piqûres de rappel comme ça, de temps en temps, histoire que les mecs réfléchissent bien à ce qu'il faut. Parce que là, par exemple, Dallas, là, qui est avec lui, là, ouais, tu vois pas que c'est les flics et tout, machin, voilà, c'est casse-couille. Ouais, bah, tu peux le faire pour. Donc, voilà. Donc, je vais lui laisser sa maison quand même. Ouais, ouais, faut. Oui. Bon, il y avait que des faux papiers. C'est pas extrême à enlever une maison compagnie. Ouais. On l'a amendé, donc je trouve que c'est pas mal déjà. Sinon, si on retrouve que de la drogue dedans, là. Ça. Donc, du coup, je vais lui laisser sa maison quand même. Ouais, ok, ouais. Ok. Bon, ça marche. Ouais, je pense que. Putain, j'ai la gueule de rôle. Ah ouais. Allez, Sierra, c'est parti. Petit débrief sur le toit. Oh merde, ma bagnole elle est où là? Elle est pas ma bagnole qui part hein. Bonsoir Scott. J'ai pas du tout d'aider. Bonsoir. Et si je peux venir demain, je t'ai baisé la gueule. Bonsoir. Bonne autre. Si ma bagnole elle est qui part là. Elle est où ma putain de caisse?
Oui, ma Mercedes. Sierra, vous nous recevez? Sierra? Allô? Où t'étais? Quoi? Elle est où, ma Mercedes? C'est nous qui l'avons. Vas-y, ramène-la, il faut que j'en rentre au garage, bordel de merde. Allez, au niveau du port, si tu la veux, des... J'arrive. Quoi de Bibi, j'arrive, j'arrive. Pourquoi le port? Parce qu'elle est dans l'eau. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fout dans l'eau? Quoi? Non, je rigole, elle est pas dans l'eau, elle est sur le port, mais elle est pas... Mais putain, mais qu'est-ce que c'est... Mais... Non! Pas de sens dans ma bagnole. Il te la ramène, il te la... Vous êtes sérieux, les gars? Mais non! Mais non, Gaëtan, t'as pas fait ça? Ah, moi, j'ai rien fait, moi. Putain, à mon insu, en plus. J'ai rien fait. Putain, vous êtes sérieux, les gars? Putain, hein, mon cure Alcantara. C'est pas mal, c'est pas mal. Tu es stylé, en fait, ça, sur le VL... Ah, y'a un tir. Ah, mais respect, mes adjudantes. Le sang de qui, déjà, en plus? Putain, mais fais pas faire des conneries à mes mecs, toi. C'est pas moi. C'est pas... Tu l'as, je te connais, tu leur as dit de faire ça. Non, je lui ai rien dit. C'est lequel que vous avez buté? C'est lequel que vous avez buté? Moi j'ai rien buté, tiens donc. Non, non, mais y'a pas... Non, non, il... Bah, hey, tu... Tu fous de ma gueule? À part... Bien joué, les gars. Allez, bonne soirée. Entre là. Je reste là. Comment? Ouais, c'est ça. Ça va, toi? Les formations pilotes ou pas? Il hésite de Johnny, je suis là. C'est demain à quelle heure? Ah. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma bagnole là? Je veux des explications? Mais non. Qu'est-ce que vous avez fait avec ma bagnole ou pas? Le HMTT de tabac. C'est reçu. Ah, d'accord. Balance, ouais, c'est ça. Bah allez, sur le tour. Mais respect, mon colonel. Salut, N'Golo. N'Dogo. N'Golo. N'Dogo. N'Dogo. Bonjour. N'Golo. N'Golo. C'est qui qui... N'Golo. Quand pourquoi tu peux que N'Dogo. C'est qui qui a eu la bonne idée de sortir des motos? Bah, moi. Parfait, ouais, c'était amusant, moi, ça me fait plaisir. Moi aussi, j'aime bien. Bah allez, Sierra, sous le toit. Octa. Octa. Et mon commandant? Les gars, je suis pas commandant, je suis colonel. Pour la police! Non, on est sur le toit. Non, on est sur le toit avec Dédé. Tous dans la Mirador. Oui, il a sorti ça, quoi. On en a deux d'accord. Ouais. Respect mangé par Dédé. Allez, Sierra, si vous voulez, sur le toit là. Oh merde. Si vous montez pas dans la mienne, ah, mais ils doivent être encore au port là. Mais qu'est-ce qui branle là-bas? Il y a un coma du mec qu'on a chopé avec le tabac. Ouais, c'est ça. Bon oui. Nous avons. Il est où Conti là? Il est où Conti? Elle est juste là-bas, tu la reconnais pas avec ses cheveux? Boris. Il est où Conti? Ah. Ah. Bonne soirée. Pourquoi personne me répond, bordel de merde? Quoi, il est où? Il est où, Conti? Je veux le mec qu'on a interpellé et qu'on a vidé la maison. Ah, j'avais pas compris. Mais il est parti? Il est parti où? Ah, le ministre, il l'a libéré? Non, c'est bon, laissez-moi comme ça, y a pas de problème. Ah, je rigole. Bon, vous voyez que au fur et à mesure du temps, la Sierra fait son dévolu. Nous avons enquêté, nous avons récolté des renseignements, nous avons fait une grosse boule, et nous avons... Il nous manquait la résidence d'un scorpion. Et nous l'avons eu grâce au traceur GPS. Donc, nous utilisons les outils pour permettre de lutter contre le crime. Nous avons envoyé... Exactement, c'est vrai. Nous avons envoyé un message fort à le scorpion. Que nous les traquerons coûte que coûte. Nous savons que le casino leur appartient. Nous savons qu'ils magouillent dans le LSD.
Nous avons quelques noms de cette organisation. À nous de les mettre derrière le barreau, quoi qu'il arrive. Félicitations, mes Schtroumpfs ! Et vive le grand Schtroumpf. Vive le grand Schtroumpf. Vive le grand Schtroumpf. Vive le grand Schtroumpf. Bon, c'est nul à chier. Vous allez me travailler un cri de guerre pour le grand Schtroumpf. Allez. Moi j'en ai. Vas-y. Bah, c'est ce que tu dis, hein. Moi je. Pourquoi on me frappe ? Ah, putain. C'est pas moi qui l'a. Non, j'ai rien dit parce que sinon tu vas pas avoir ce qu'il faut sur. Voilà. Bon, mes enfants, il est temps de vous reposer après cette longue journée de travail. Il aura pas les droits de. Je vous donne votre soirée. Amusez-vous. Allez picoler. Tirez un coup. Faites ce que vous avez à faire. Vous venez à la BA demain pour des nouvelles aventures. Allez, éclatez-vous, la Sierra. Allez, la botte à cul, c'est gratuit. Quelle idée. Bon, bah voilà. Petit 20h minuit. C'est pas mal. C'est petite histoire sympathique. Bon, j'ai lancé un message fort sur une famille ce soir, volontairement. Je voulais qu'ils prennent conscience que il faut maintenant faire attention aux actions et aux répercussions sur notre façon de jouer. Je veux tous vous emmener dans le bon chemin, parce que je pense que vous allez être surpris de la mise à jour, pour certains. Et donc, j'ai pas envie de perdre beaucoup de joueurs et beaucoup d'interrogations et me dire « Ouais, mais on n'était pas au courant, on n'a pas eu le temps de se préparer à la nouvelle mise à jour. » Là, je vous commence à vous préparer petit à petit. Bah, bon, bah, ce joueur a pas fait, a fait l'exemple pour la Scorpion, pour vous montrer que attention à ce que vous faites, tout a une répercussion. D'accord. Ah oui. Tiens, allons. Bon, merci aux followers. Bon, passons ça. On passera plus ça dans une matinale. Ce sera beaucoup plus simple. Merci aux nouveaux followers. On est à 393 follow. Bientôt la barre des 400. Merci à Vailleron pour ton abonnement. Merci à El Oro. Oh putain. Voilà, Ira Fox, Alex Key, Shark, à Beta Prime, à Jean Dupont, à Mouloud Sako, à Vailleron pour son abonnement et à Mister Xfox pour son nouveau follow. Merci à tous, ça fait super plaisir. Merci à tous de votre fidélité. Encore une fois, vous êtes toujours plus d'une vingtaine à être là. Ce soir, j'aurai pas du stream. Je pense que le stream n'était pas de très bonne qualité. Excusez-moi, problème du réseau. Allez, bonne nuit à vous. À demain, 20h minuit pour Altice Live France. N'oubliez pas Discord, n'oubliez pas YouTube. Et sur ce, bonne nuit. Prenez soin de vous. Sortez couvert. Bonne soirée. Bonne nuit, à demain. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.